Ça va, dors, dors, petit bébé, dors, dors, petit bébé, ça va, fais de beau, petit bébé, ça va, dodo, mon petit bébé, loulou, ça va, loulou, loulou, petit bébé, loulou, dors mon petit bébé. Loulou, mon petit bébé. Oui, bébé, j'arrive. J'aime mon papa. Oh, ça va, ça va, ça va. J'aime mon papa. Bébé, entre, entre. Ça va, bébé. Oh, s'il te plaît. J'arrive, j'arrive. Oh, arrête, j'arrive. Papa est là, papa est là, papa est là. J'arrive, ok? Bébé, calme-toi, j'arrive. Je reviens, bébé, je reviens. Je reviens. Dis-moi, il a pas ça, papa. Bébé, arrête, s'il te plaît. Je ne veux pas jouer. Le bébé est en train de pleurer. Oh chérie, ce n'est rien. C'est juste un rêve. Écoute, les gens font des rêves, ce n'est rien. Tout le monde fait des rêves. Et je suis sûr que cela se répète parce que tu réfléchis trop. C'est normal que tu fasses ce genre de rêve, vu que tu réfléchis trop, c'est normal. Hein? Mais ce rêve était tellement réel. Tellement effrayant. Ah, de plus. De plus quoi? De plus quoi? Rien de mal n'arrivera, d'accord? Rien de mal n'arrivera, tout ira bien. Calme-toi. Ok. Ok. Si, je partais voir... Allez voir qui? Dis-moi, qui veux-tu aller voir? Hein? Voir qui? Aller voir un pasteur qui va te raconter des conneries qui prendra ton argent? Écoute, je vais te dire, tout le monde a des problèmes. Demande à tes amis. Tu en as, n'est-ce pas? Dans leur maison, ils ont aussi des problèmes. Mais les gens ne te les diront pas. Mais ils ont aussi leurs problèmes. Bien sûr, et ce, tout le temps. Écoute. Chérie, écoute. Le temps de Dieu est le meilleur. Dieu exaucera nos prières en son temps voulu. En plus, ton mari ne s'en plaint pas. Hein? Ok. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ok, à ce soir, d'accord. Je t'aime. Prends soin de toi. Toi aussi, chérie. Je t'aime.
Hey, Oga, bonjour, monsieur. Qu'es-tu en train de faire? Hey, Oga, je suis en train de faire du sport. Comme vous pouvez le voir, j'ai trop de graisse et de calories. Surtout avec la nourriture que madame me donne. J'ai fait des exercices au cas où quelque chose arrive. Ouvre-moi le portail. Mais Oga... Je n'ai pas le temps pour bavarder. Ouvre-moi le portail. Pas de problème. Ok, monsieur. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici votre station de radio préférée, 105.3 Forever Silico FM. Je suis votre présentatrice Lynn Vera, et tout de suite nous allons passer au titre de ce journal. Nous vous revenons après une courte pause. Restez scotchés. À présent, les titres. Monsieur le Président reçoit une délégation de Asawa ce jour. Le IFCC récupère 9,7 milliards de naira en 4 jours. Un élève du collège de Meghan a été retrouvé mort dans un hôtel de la ville. Le milliardaire philanthrope, M. Hakuna Utunego, est venu en aide à 37 orphelins de l'orphelinat Saint-Michel et leur a offert des bourses complètes du primaire jusqu'au secondaire. Ce geste a été salué par plusieurs personnes à travers le pays. Il est à noter que cet événement intervient après l'ouverture de son centre de santé. Il s'érige ainsi en un sauveur de cette ville corrompue. Une veuve de Emily Christian est en larmes après que sa boutique ait pris feu sans pouvoir récupérer quoi que ce soit. Le CBN prend la décision de rembourser 6 millions de naira appartenant à... Noma! Noma, je peux voir que tu es très têtu. Ne t'ai-je pas dit de ne plus poser tes pieds sur ce terrain? Chief, s'il te plaît. J'ai dit ferme-la quand je parle. Ferme-la, je n'ai pas terminé. Noma, ça fait déjà 7 mois et tu me racontes toujours des histoires. Noma, comment voudrais-tu que je continue les affaires à cette allure? Je me souviens très bien de quand ton mari était malade. Tu m'as supplié pour avoir 1 million. Tu as pleuré encore et je te l'ai donné. Ton mari est mort et tu es encore venu me demander 500 000 naira. Noma, à cause de ma très bonne foi, je te l'ai donné. Et qu'est-ce que je reçois en retour? Hein? Tu es têtu et tu n'es pas reconnaissante. Noma, laisse-moi t'avertir. Je ne veux plus te revoir sur ce terrain. Ne pose plus jamais tes pieds sur ce terrain. Plus jamais. Chief, ne m'appelle pas. S'il te plaît. Qui est ton nom? Chief, s'il te plaît, accorde-nous encore un peu de temps. Nous allons te rembourser. Essaye juste. Essaye de me provoquer. N'importe quoi. Chief, s'il te plaît, accorde-nous encore un peu de temps. Thank you.
1, 2, 3, 4, 5. Hey, comment vous allez? Bien, monsieur. Désolé, mais j'étais dans la chambre quand vous êtes arrivé, hein? Mais ça va. Alors, comment va la vie et les affaires? Monsieur, comment vous le dire? C'est très difficile. C'est pour ça que nous sommes venus. J'ai besoin de fonds de commerce pour mes affaires. J'ai plusieurs clients, mais je n'ai pas de marchandises pour vendre. Chief, la situation s'empire. J'ai besoin d'aide, Chief. On en parlera plus tard. Et toi, Tebina, quel est ton problème? Sincèrement, Tiff, j'aimerais retourner au Ghana. J'ai terminé déjà avec la procédure de voyage. Mais il me faudrait de l'argent. Même 1 500 000 pour faciliter le processus. Ok, c'est bon. Vous voyez, réussir maintenant veut dire que vous réussissez votre vie, vous entendez, hein? Ah oui, je suis en train de voir que vous avez progressé, hein, à réussir et aller à l'étranger se faire de l'argent pour venir développer cette communauté, hein. C'est pour ça que nous sommes là pour vous, hein. Oui, monsieur. Vous allez revenir lundi. Oui, monsieur. Je vais donner à chacun d'entre vous 2 000 000 naira. Hein? Oui. Chief. En attendant, voilà 100 000 naira. 100 000? Et toi, voilà 100 000 pour toi. Merci. Chief, merci beaucoup. Écoutez, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez partager ceci. Merci, monsieur. Merci, monsieur. De rien. Merci. Dieu. C'est bon. Aucun d'entre vous ne pourra être plus riche que nous dans cette communauté. Nous resterons les piliers les plus influents de cette communauté, bien sûr. Ekene et Tebena, votre esprit et votre destinée m'appartient à présent. Oui, entrez. Entrez. Voici les documents, monsieur. Ok. Attends un instant. Ce sont des documents personnels, ils sont très très importants. Eh bien, tu peux partir. D'accord. Attends. Il y a une femme dont la boutique a pris feu. Ah, Marie-Christine. Je l'ai entendue à la radio ce matin, l'as-tu aussi entendue? Oh, oui. J'ai entendu cette histoire. Elle vit dans le même quartier que ma grande sœur. Oh. Oui, son mari est mort l'année dernière. Et sa belle famille s'est emparée d'absolument tout, en la laissant avec ses 4 enfants. Cette boutique, elle l'a louée il y a de cela 2 mois. Seulement 2 mois? Oui, avec l'argent qu'elle a pu recueillir du deuil de son mari, pour prendre soin de ses enfants. C'était avant que tout ce drame ne se produise. C'est tellement pathétique. Bien, c'est pitoyable, mais c'est la vie. Je voudrais la rencontrer. D'accord, monsieur. Oui, il faudra voir avec le comptable, je lui donnerai des informations nécessaires. D'accord. D'accord. Quand tu veux entrer en contact avec elle, amène-la dans mon bureau. Oui, monsieur, ok. Ah, Hakuna. Je suis heureux de te voir. Mon frère. Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Je vais bien. Heureux de te voir. Comment se porte ta famille? Ils vont bien. Madame est en vacances avec les enfants. Pour le moment, je suis le nouveau célibataire en ville. C'est bien pour toi, mec. Très bien pour toi. C'est très bien. Il y a une dame dont la boutique a pris feu à Marie-Christine. Es-tu au courant? Ça s'est passé aujourd'hui. Ouais, ça fait vraiment pitié. Ce cas
l'enquête depuis que je l'ai entendue. Je n'ai fait qu'y penser profondément. J'espère juste que ma secrétaire pourra la contacter. Et l'amener vers moi. Ouais. Je verrai si 5 millions de Naira pourront l'aider. Waouh, ça c'est super. Ah, c'est vraiment son jour de chance, hein? Oui, effectivement. Ouais. Où en es-tu avec ce contrat? Je m'en occupe, mon frère. D'accord, très bien. Noma. Ah ah. Pourquoi m'as-tu fait attendre? Je n'ai pas eu de tes nouvelles. Ou alors ai-je commis une erreur en évitant la honte à ta famille? Ce n'est pas ça, Chief. S'il te plaît, je travaille dur pour avoir cet argent. Et je vais te rembourser cet argent. Noma. Je vois que tu ne veux pas rembourser tes dettes. Non! Oui. Non, Chief, je te rembourserai. Je travaille dur pour cela, je te rembourserai. Je te rembourserai, s'il te plaît. Accorde-moi un peu de temps, s'il te plaît. Noma, écoute-moi bien. Tu n'as surtout pas à t'en faire. Hein? Noma, écoute, hein? Tu n'as surtout pas à te plaindre. Hein? Tu es une très belle femme. Ou tu ne le savais pas. Écoute. Je peux oublier cette dette d'argent. Et même t'en donner plus. Si seulement tu acceptes d'être ma maîtresse. Chief. Ouais. Utilise ce que tu as pour avoir ce que tu n'as pas. Chief, je suis toujours en plein veuvage. Parce que ça a une importance. Ah, il est mort et enterré. Et les morts ne parlent pas. Écoute, laisse-moi te dire, je n'essaye pas de te mettre la pression. Mais réfléchis à ça. Et je vais t'en donner encore plus. Mais ne me fais pas attendre longtemps. Ok? Wanyoma, tu peux partir. Tu peux partir. Noma, reviens. J'ai dit reviens. Reviens. Où comptais-tu aller? Chief. La ferme, Noma. Écoute, je vais te poser une question. Pourquoi m'as-tu fait attendre aussi longtemps? Hein? Chief, s'il te plaît. J'aime et je respecte toujours mon mari. Je ne peux pas faire ce que tu me demandes. S'il te plaît. Noma, ton mari est mort et enterré. Hein? Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ça? En fait, nous pouvons même le faire maintenant. En plus, ton enfant n'est pas à la maison. Hein? Tu faire comprends quoi? Cette chose. Faire hein? Quoi? S'il te plaît, arrête de me dire ça. J'ai juste demandé plus de temps. Je te rembourserai ton argent, s'il te plaît. Si tu veux, je peux me mettre à genoux. Je maintenant, me mets à genoux. Je comprends tu que tu es très méchante et avare. Hein? Ibi Uchimba Uchimbo. Dis-moi, est-ce que c'est bien? Laisse-moi t'avertir. Tu as seulement jusqu'à 2 semaines pour me rembourser. Sinon, je vais vendre ce terrain hey et récupérer mon argent. Quel tu m'as entendu? C'est le seul terrain, s'il te plaît, Chief. S'il te plaît, je t'en prie. Chief, je t'en prie, ne le fais pas. Hey, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Hey, Chief, je t'en prie, ne le vends pas. Mon Dieu, comment vais-je m'en sortir? Eh oh, comment vais-je rembourser cet argent? Cet homme m'a donné juste 2 semaines. Maman, tu pleures? Non, ma fille, je ne suis pas en train de pleurer. Je ne suis pas en train de maman, pleurer. Maman, tu la bienvenue. Pleures, n'est-ce je ne suis pas en train de pleurer. Je ne suis pas en train de pleurer. Je vais bien. Ne me dis pas que c'est à cause de Chief et Médiqué. Ma fille. Il veut prendre notre seul terrain, notre seule source de revenus, le seul terrain sur lequel nous comptons. Ada, je ne sais pas quoi faire. Maman, pourquoi cet homme est si méchant? Pourquoi est-il aussi froid? Cet homme est un démon. Nous avons supplié pour qu'il nous accorde un peu de temps, plus de temps. Hein?
Je ne sais pas pourquoi il est si méchant. Et je ne veux pas que ton père se retourne dans sa tombe. Si je faisais ce que cet homme m'a demandé de faire. Je ne veux pas ça. Maman, qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Ne t'en fais pas, ma puce. Tout va bien. Tout ira bien. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Ça va aller. Nous allons bien. Nous allons bien. Papa, ne pleure pas. Ça va aller, ma fille. Que penses-tu vouloir faire? Ah. Arrête de bouger, femme. Qu'es-tu en train de faire? Je... Qu'est-ce que tu voulais faire? Pardon. Pardon. Pardon, s'il te plaît. Pardon. Bien. Sœurette, qu'est-ce qui te tracasse? Tu penses encore à ce rêve? Ça ne cesse de se répéter, chaque fois. Dans ce cas, dis-lui, elle est ta meilleure amie. Je le sais, mais ça pourrait causer de gros ennuis dans son foyer. Et je ne veux pas cela. Tu sais, elle a beaucoup enduré dernièrement. Je me fais du souci pour elle. Je pense que ce rêve est pour que tu l'aides avec ce qu'elle traverse. Oui. Je crois que tu as raison. Ouais. Je vais trouver une meilleure façon de résoudre ça. D'accord. Je le ferai. Thank you.
Sors! Rosita, où est passé notre argent? S'il vous plaît, donnez-moi 2 semaines encore. 2 semaines. 2 semaines encore. Non, 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 ferme-la, ferme-la. Qu'est-ce que tu veux dire par 2 semaines? Ça fait combien de temps maintenant? Tu te rends compte que ça fait déjà plus de 3 mois, 2 semaines, mais tu passes ton temps à nous raconter des bêtises à longueur de journée. De surcroît, tu ne décroches plus mes appels, n'est-ce pas? Tu vois bien comment tes potes t'appellent, mais tu ne décroches pas, tu ne prends pas nos appels. Et tu ne parles de 2 semaines. Nous te pardonnons. Juste à cause de l'amitié que nous avons partagée ensemble. Écoutez, j'essaye d'arranger les choses. S'il vous plaît. Osita, sais-tu pourquoi je ne te tuerai pas aujourd'hui? Tu sais pourquoi? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère. Je ne veux pas voir du sang. Écoute, Osita, nous te donnons 1 semaine. 1 semaine pour rembourser notre argent. Sinon, ta femme sera au courant de tout ça. Tu as déjà un pied dans la tombe. Ne m'oblige pas à mettre fin à ta vie. Osita, 1 semaine. 1 semaine, d'accord? 1 semaine. Je vais essayer. Dani, allons-y. Tu as vraiment eu de la chance cette fois-ci, mec. La prochaine fois, je t'explose le crâne. En tout cas, nous te donnons 1 semaine, pas plus. Sinon, tu auras de nos nouvelles. Qui est-ce? Doucement. Vous voulez détruire ce portail? Ah, ah. Ah, madame, bienvenue. Ne vous fâchez pas. Es-tu stupide? Ah. Comment oses-tu me faire attendre là-dehors? Madame, ne vous fâchez pas. J'étais à l'intérieur, en train d'arranger les choses. Vas-tu la fermer, espèce d'imbécile? Espèce de sale idiot. T'es absolument bon à rien. Je me demande pourquoi mon frère te garde toujours dans cette maison. Ah. C'est à toi que je parle! Donc t'es incapable de t'excuser? Je suis désolé. Idiot! Désolé, madame. Apporte ma valise. Qu'est-ce que tu fais encore placé là? Apporte cette valise. Doucement, arrête de traîner cette valise comme ça. Doucement! Tout va bien dans ta tête? Allez, marche! La maîtresse de la maison, où est-ce qu'elle est passée? Oh, belle sœur Bianca, sois la bienvenue. Oh, ne t'approche pas. Ah ah, bienvenue. Je veux dire, tu ne nous as pas dit que tu venais. Comment va la famille? Attends, pardon. Donc tu veux dire que je devrais te prévenir avant d'arriver dans la maison de mon frère? En tant que qui? Non, tu ne m'as pas bien compris. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Hé, hey, arrête-moi ça. Espèce d'idiote. T'es là au lieu de te concentrer à donner des enfants à mon frère. T'es assise là comme la maîtresse des maisons, espèce de femme stérile. De quoi est-ce que tu m'as traitée? Tu n'as pas osé le dire. Et je le redirai encore. Je le redirai autant de fois que t'as pas donné des enfants à mon frère. Des enfants qui devraient être ses héritiers. Mais ce n'est pas moi qui donne des enfants, c'est Dieu qui le fait. Idiote! Non! Reste là à me poser des questions stupides. Femme inutile. Thank you.
Allô, bébé? Ah, maintenant? Ça ira, ça ira. Écoute, tu as très bien fait. Oui, tu as fait ce qu'il fallait faire. Attends-moi juste, j'arrive. Ne t'en fais pas, juste... Calme-toi, ne t'en fais pas, je vais m'en charger. J'arrive à la maison tout de suite. J'arrive tout de suite, d'accord? J'arrive. J'arrive tout de suite, d'accord. Qu'est-ce que ces deux vieillards ne veulent? Qui a-t-il? Onotier, pourquoi n'as-tu pas honoré à notre rendez-vous pour la deuxième fois? Très simple, je ne suis pas intéressé. Notre peuple a besoin de développement. C'est pour cela que je suis ici, pour les aider. Tu es venu les aider en construisant de nouvelles routes et en donnant des stupides bourses pour des gens très, très pauvres. Écoute-moi bien, jeune homme. Il y a des gens qui gouvernent cette communauté et tu devrais venir nous voir pour qu'on te dise comment les choses se passent ici. Est-ce que tu m'entends? Je viens de loin, très loin. Je sais ce qui est bien pour mon peuple. Je n'ai pas besoin d'être célèbre. Je ne suis pas un politicien. Je fais ce que je fais pour aider mon peuple. Personne, ni même vous, ne pourriez m'arrêter. Mon peuple doit sortir du noir. Onoshie, Odense, Onoshie. Peux-tu jouer à ce jeu? Est-ce que tu es prêt? Ça me surprend. Aux yeux des gens, vous paraissez pour des saints. Et pourtant, vous êtes l'incarnation du diable. Des diables, c'est ce que vous êtes. Des menteurs, des diables déguisés. On fera en sorte que tu mâches ces mots. Tu vas mâcher ces mots et tu vas les avaler. Donc vous pensez pouvoir me faire peur? Je n'ai pas peur de vous. Très bientôt, je vais vous exposer. Vous tous. Entre. Nous allons voir. Nous allons surtout voir. Fais très attention. Nous verrons ça. Fais attention à toi. Il est beau. Wicked man. Taking a place in heart of man. When the others Adane! 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 Akona! Adane, que fais-tu ici? Je te demande ce que tu fais ici! C'est quoi ce genre de question? Qu'est-ce que je ne devrais pas venir faire chez mon frère? Écoute-moi bien, j'ai le droit de venir chez toi autant de fois que je le voudrais, d'accord? Tu t'entends? Tu ne m'as pas aidé à construire cette maison! Tu ne m'as rien donné, c'est ma maison! Avant de venir ici, tu m'appelles moi ou ma femme, et si nous disons non, tu restes chez toi! Ne ramène pas tes problèmes ici, va-t'en! Tu ne viendras pas ici pour insulter ma femme, non, pas! Oh, elle t'a déjà tout dit, mais tout ce que je lui ai dit est vrai.
Quelle vérité? Oui! Tous les deux, vous ne pouvez pas continuer à vivre ainsi. Ah. Elle doit l'entendre. Mais qu'est-ce que... Oh putain de merde. En quoi ça te regarde? En quoi ça te regarde ma façon de vivre avec ma femme? Ce n'est pas ta maison. Non, non, je ne te le permets pas. Tu as détruit ton foyer. Je ne te laisserai pas venir ici et détruire le mien. Non, dégage ici. N'es-tu pas mon frère de sang? N'as-tu pas le même sang mais que moi? Mais c'est quoi ton... Est-ce obligé? Je ne veux pas de toi ici. Va-t'en. Va le dire à notre mère. T'es mon frère et j'ai le droit de venir chez toi. Dans ma maison. Hey, ne bouge pas. En fait, je sais quoi faire, ne bouge pas. Hakuna, t'es sûr que tu vas bien? Tu verras. Je resterai ici autant que je voudrais, Oh. C'est la maison de mon frère. Pouvez-vous l'imaginer? Tu crois que t'es mon frère, pourquoi? Je ne quitterai pas cette maison. Tu t'en iras. Tu t'en iras, ce n'est pas ta maison. Je ne quitterai pas cette maison, je ne la quitterai pas. C'est quoi ton problème? Je n'irai nulle part. Tu parles, je suis sparse pour mon frère. Je t'ai dit de partir. Va-t'en. C'est la maison de mon frère, je ne partirai nulle part. De quel frais parles-tu? C'est ma maison. Le frais dont tu parles, je veux pas te voir chez moi. Arrête de me causer des problèmes. Je vais rester chez toi. Prends l'argent de transport. Allez, prends. Tiens. Prends cet argent et va-t'en chez moi. Hein, reste. Où est-ce que tu vas? Reviens ici. Je m'en vais chez toi. Ouvre cette porte. Où est-ce que tu t'en vas? Reviens ici, non? Viens ici dehors. Ok, il n'y a pas de problème. Je t'attendrai ici. Ostar! Monsieur! Ostar! Monsieur! Dépêche-toi! Mais là d'ailleurs, si je la vois encore, ce sera ton problème! Reviens ici dehors, tu verras! Attends, viens, Marie! Allez! Oya, viens! Allez! J'obéis à Oga! Viens, allez! Viens m'arrêter! Bébé, cette situation devient déjà compliquée. Écoute, je pense qu'il serait mieux d'aller porter plainte à la police. Oui! Pour qu'il fasse quoi? Tu devrais te réjouir qu'ils n'ont pas pris la voiture et je suis revenu en vie. J'ai eu de la chance. Ok, supposons que j'appelle la police. Je ne les connais même pas. Comment vais-je les reconnaître? Je ne pourrais même pas reconnaître leur visage. Bébé, écoute. Sincèrement, tu n'aurais pas dû te battre avec eux. En fait, tu aurais dû les laisser prendre la voiture. Nous pourrons toujours les remplacer. Oui, nous pouvons toujours acheter une nouvelle voiture. Ok, dis-moi, et s'ils t'avaient tué? Faisons de moi une veuve. Allez, bébé, c'était trop risqué. Je sais. C'est juste que je ne supporte pas me faire intimider. De plus, on était déjà en train de se disputer avant qu'il ne sorte son fusil et me fasse ceci. Je suis vraiment désolée, bébé. Désolée, ok? J'espère que tu n'as pas mal à la tête ou autre chose. Ok. Je suis désolée. Désolée, bébé. Je suis désolée. Attends, Adané. J'ai besoin de comprendre ce que tu racontes. Tu veux dire qu'Hakuna, ton propre frère, t'a mise hors de sa maison? Non, ce n'est pas croyable. Ce n'est pas possible. Il t'a mise hors de chez lui à cause de cette sorcière sans enfant. Hein? Maman, tu sais, si ce n'était pas à cause d'une chose... À cause d'une seule chose. Si ce n'était pas ça, j'aurais régné Hakuna en tant que mon frère. Hey. Je ne lui en veux pas. Après tout, je ne suis pas allée lui demander de l'argent. Exactement. Je m'en préoccupe juste de son bien-être. Son bien-être? C'est quoi ce genre de problème? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Qu'est-ce que cette fille lui a donné? Maman, admettons la vérité. Sœur Adani ne devait pas avancer de tels mots à cette fille. Pardon, ferme-moi ta bouche. Cœur. T'es malade? Qu'est-ce que tu en sais? Oh, non, réponds-moi, qu'en sais-tu? 5 années de mariage, c'est pas 5 semaines. Oh. C'est son devoir d'accoucher. Oui. Mais ma sœur, elle n'est pas Dieu. Hein? Elle enfantera le moment venu. Le temps de Dieu est le meilleur. Est-ce que tu t'entends même parler? Maman? Pourquoi est-ce que tu l'as laissée ici pour discuter avec nous? Amanda, t'as perdu la tête? T'as tous tes sens? Amanda, t'es déjà à l'université. Et en tant que telle, tu devrais mieux réfléchir. Nous sommes en train de parler de l'avenir de cette famille. Hakuna est le fils unique. Mon seul fils. Le futur de cette famille dépend entièrement de lui. Tous ses efforts seront vains s'il n'a pas au moins un garçon. Est-ce que tu veux que tous ses efforts, son dur labeur, durant des jours et des nuits, finissent entre les mains de ses ennemis?
Ne sais-tu pas que quand un homme meurt sans laisser de successeur, ses ennemis vont profiter exactement de sa richesse. Hein? Tu ferais mieux de la fermer si t'as rien à dire. Ferme-moi cette bouche. Ou c'est parce qu'on t'a laissé rester ici? C'est quoi ces bêtises? Maman, je sais que ce que j'ai dit est vrai. Mais Hakuna ne s'en plaint pas. Sœur Tioma ne s'en plaint pas. Je me demande pourquoi vous vous en souciez. Donc pouvez-vous l'imaginer? Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu es encore ici. Sorcière. Tu es encore ici. Espèce d'idiote. Anofia. Parce que je cohabite avec toi dans la même maison que je crois que tu peux me parler de la sorte. Les enfants de nos jours ne savent pas quand il faut parler et quand il faut se taire. Regarde Amanda. Je ne t'en veux même pas. N'est-ce pas tes 5 pouces déjà? Les hommes te draguent, Abby. T'arrives même pas à défendre ton frère. Tu penses bien agir. Tu ne sais pas que tu l'encourages dans le faux. Jésus-Christ, qu'est-ce que tu racontes? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Que je n'aurais pas dû faire cela dans ma maison? Je dis non! Si je n'arrête pas ça, ça va devenir une habitude. Et je dis non! Non, ça n'arrivera pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle veut me dire comment vivre chez moi? Tu es ma femme, ce ne sont pas telles que j'ai épousées. Je n'ai épousé ni ma mère ni ma sœur. C'est toi que j'ai épousé, ok? Elle ne peut pas venir ici me dire comment mener ma vie dans ma propre maison, je dis non! Avec ou sans enfant, je n'accepterai pas qu'on manque de respect à ma femme. Personne ne lui parle n'importe comment, ça n'arrivera pas! Et si je n'agis pas ici, ils vont déborder les limites. Et ça va à l'au-delà, et je n'accepte pas ça. Non, personne ne le fera, c'est ma maison. Nous aurons des enfants quand Dieu le voudra. Je suis patient, et je continuerai d'attendre. Est-ce que je t'ai dérangé? Non. Bébé, écoute, je te comprends. Je suis juste en train de dire que tu n'aurais pas dû la chasser comme tu l'as fait. Elle aurait pu s'en aller et... Et quoi? Qui se soucie de ce qu'elle fait actuellement? En quoi ça me regarde? Est-ce que je la dérange chez elle? Non, je l'accepterai pas. Tu racontes que... Ok, dis-lui de revenir, qu'elle revienne. Dis-lui de venir me déshabiller ainsi que toi et que je me couche sur toi et commencer à remuer mes reins. Je ne l'accepterai pas. Laisse-moi tranquille, pardon. Je viens me reposer. Que signifie tout ceci? Pourquoi toutes les bonnes personnes meurent ainsi? Hein? Regarde Onoshio, qui ne voulait que notre bien et celui de notre peuple mort juste comme ça. Tu t'imagines? Non, mais c'est très douloureux, hein? Il avait même promis d'envoyer mon petit frère à l'étranger. Hein? Maintenant, tout cela est parti. Eh hein? Oh!
vous. Celui qui a fait tout cela ne sera pas impuni. Amen. Il ne restera pas impuni. Amen. Le tonnerre va le frapper. Ha! Kenu Kiao. Oh! Écoute, ne crée pas une autre scène. Allons-y. Oh! Allons-y. Tu as mis du temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Il connaît les femmes avec leurs problèmes, mais bon, allons-y. Donc, toi-même, tu vois. Ah. Cet imbécile. Mais attends, attends. Il prétend être un homme. Écoute, dans sa prochaine vie, il ouvrira bien ses yeux avant de partir. Ça, c'est s'il se réincarne. Si, il se réincarne. Hein? Car il n'aurait plus peut-être envie de se réincarner. C'est en fait ça. Ogini, c'est notre idiot, Akuna. Ogini, donc. Akuna aura affaire à nous. Il aura affaire à nous. Crois-moi, il aura affaire à nous. Je suis d'accord. Faisons-le. C'est une affaire personnelle. Ne t'inquiète pas. Bon. On ferait mieux. Donc, finir avec lui avant qu'il ne retourne le village contre nous. Tu as raison. Si quelqu'un fait des selles sans uriner... Ça ne servira à rien. Donc alors, comment as-tu résolu cette affaire? Laquelle? Celle de Noma. Ah. Ou bien, tu me caches déjà des choses. Elle joue encore à la sainte. Et elle me dit, j'ai aimé mon mari. J'ai aimé mon mari. Donc... Tu vas baisser les bras juste comme ça? Est-ce que c'est toi qui me poses cette question? Mais je voudrais savoir, il faudrait que je me rassure que t'es toujours le ménique que je connais. Avant la fin de ce mois, ça sera elle qui va courir vers moi. Allons-y. Bien sûr, je te fais confiance, toi. Votre Majesté, c'est un bon garçon qui a des projets pour notre communauté, hein? Mais vous savez, Votre Majesté, nous ne pouvons pas douter de Dieu. Je suis à Bantu Kwendi, hein? Nous devons le prendre ainsi. Nous sommes allés voir ces gens pour leur montrer notre respect. C'est la seule chose que nous puissions faire. Igwe, vous savez, nous ne pouvons pas aller au-delà de nos moyens. Mais nous pouvons leur montrer notre gratitude. C'est vrai. Nous ne pouvons pas le faire. Cher ami. Hein? C'est impossible à faire. Même l'Éternel Tout-Puissant sait que c'est le mieux à faire. Il sait tout. Hein? Oui. Il sait tout. La seule chose que nous puissions faire maintenant est de faire un programme et d'enterrer ce jeune homme dignement, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Dis-lui. Et de bons obsèques, au moins. Écoutez, hein, de bons obsèques, hein. Et de plus, nous avons déjà tout mis en place. Nous devons planifier. Vous savez, nous devons nous unir pour travailler, pour terminer tout ceci. Pour que notre peuple ne soit pas déçu. Hein? Pour que notre peuple continue à bénéficier des dividendes oui, et qu'il ne soit pas déçu. Hein? Vous savez, c'est ça, en fait. Hein? Il a tout dit, Igwe. Exactement. Nous devons faire en sorte que nous avons l'habitude de le faire. Nous avons l'habitude. Nous ferons en sorte de continuer où il s'est arrêté. Bien sûr. Vous comprenez? Nous l'avons tout dit, mon frère. Oui. En parlant de vous deux, je vous remercie énormément. Que les ancêtres vous protègent. Et avant que je n'oublie... Akuna a fait une demande. Akuna de Molomon, Wano Fomona. Et il voudrait une parcelle de terrain où il pourra construire un centre de santé et restaurer notre bonheur. Je pense que c'est une bonne chose. Oui. S'il vous plaît, vous allez le soutenir. Et vous lui donnerez tout ce dont il aura besoin. Je remercie les gens comme vous. Qui se préoccupe
du bonheur de notre peuple. Oui, Igwe. Votre Majesté, vous n'avez pas à nous remercier. Nous allons l'apporter le soutien dont il a besoin. Pas juste ça, nous devons lui donner tout le soutien qu'il mérite. Exactement. Nous allons entièrement le soutenir. Exactement, Igwe. Il sera soutenu, hein? Et en fait, c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça. Mais Votre Majesté, vous savez que... Oui, je voudrais suggérer quelque chose. Juste selon moi, pour son propre bien. Vous savez, cet Hakuna est très jeune, hein? Pour avoir ce genre de gros titre à Akumende Mundo. Vous savez, ça le mettra en danger. Tous ces jeunes hommes, tous ces voyous seront tous après lui, contre sa vie. Et vous savez qu'il est très important pour notre communauté. C'est juste pour sa protection. Tu es d'accord avec moi? Oui. Nous allons lui donner tout notre soutien. Hein? Vous savez, la porte, hein? Vous savez de quoi je parle. Hein? Vous savez, écoutez tout ceci. Igwe, il est trop jeune pour ça. Il est trop jeune pour cela. Hein? Vous savez, ces égaux deviendront jaloux. Et vous savez, il faudrait lui épargner de tout cela. Vous savez, il faudrait qu'on le protège pour qu'il ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Nous devons le protéger, nous devons le guider, hein? Et de le protéger de ses proches et de ses ennemis. C'est en fait ça. C'est en fait ça que je veux dire. Vous savez, pour le protéger, il est important que nous l'aimons. Ah, bien sûr. Nous aimons ce qu'il fait. C'est un philanthrope. Ah, il est précieux. C'est un philanthrope. Vous savez, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin qu'il fasse beaucoup de choses pour notre peuple. Mais pour cela, nous devons le protéger. Mais sincèrement, je suis inquiète. Je suis inquiète. Je n'en peux plus. 5 ans de mariage, sans enfant, c'est étrange. Le fait que mon mari fasse comme si de rien n'était m'inquiète encore plus. Et il ne dit absolument rien à propos de mes rêves. Tout ça me trouble vraiment. Rita, tu n'as rien dit. Est-ce que tu m'écoutes? Oh, bien sûr que je vais bien. Écoute. Tu devrais être reconnaissante qu'au moins ton mari est à tes côtés. Je veux dire, c'est une grande marque de confiance. Oui, je le sais, mais tout ceci pourrait changer. Tu connais les hommes, ils changent tout le temps. Prions juste qu'ils soient toujours comme ça, toujours à tes côtés. Croisons les doigts. Et tes rêves? Est-ce que tu peux m'en parler? Je revois toujours ce même homme qui essaie de me faire du mal et d'arracher mon bébé. Et aussi, j'ai rêvé que j'étais en train d'allaiter un bébé. Et il y a cet homme qui apparaît toujours dans mes rêves. Je n'arrive pas à décrire son visage. Je n'arrive pas à le reconnaître. Il s'empare de mon bébé et essaie de me faire du mal. Et mon mari ne s'inquiète même pas. Je ne sais pas, je suis juste inquiète. C'est vraiment sérieux. Très sérieux. Est-ce que tu as déjà pensé avoir un pasteur? Je ne peux pas essayer. Je ne peux même pas essayer. Mon mari ne veut pas entendre parler. Tu sais, il a vécu une mauvaise expérience avec ses pasteurs auparavant. Alors, il ne croit plus en eux. Je ne peux même pas essayer, sinon il me mettra hors de cette maison. Ne t'inquiète pas. On finira par trouver une solution. Vraiment? Même la mort de nos jours a une solution. Alors relaxe. S'il te plaît, aide-moi. Bébé, les voilà. Ouais. Mec,
Mon pote, comment? Yo, oh. Zita. Comment allez-vous? Mon gars, sûr. Ah. Mon frère, comment tu vas? Tu as bonne mine. Mais allez, mec, on se connaît. Donc, parce que t'es marié, tu oublies tes amis, hein? Tu ne voulais pas qu'on la voie, c'est ça, hein? Mec, dis-lui, bientôt nous allons nous marier. Non, les gars, ce n'est pas ça. De toute façon, t'as de la chance d'avoir épousé cette ravissante demoiselle, hein? Merci, je travaille dans la cuisine, alors je vais aller continuer ce que je faisais. Amusez-vous, les gars. Tu es très jolie. Tu es vraiment chanceuse d'avoir épousé... Comment pouvez-vous dire ça? Tu sais? Waouh. Mec, où est notre argent? Osita, est-ce que tu veux mourir jeune? Mais, calme-toi, baisse ta voix. Ma femme est là. Que je baisse d'un ton? Et si elle t'entendait? Vous êtes chez moi. Vous avez oublié que ça doit rester en genoux. Hein? Est-ce que ce mec raconte? Donc c'est toi qui ose parler ainsi, mec? Pourquoi n'as-tu pas pensé si avant de fuir avec nos 12 000 ans de Naira, mec? Tu es là à nous raconter les bêtises de ta vie. Fais attention. Mais j'ai dit dans 2 semaines. Je vous ai demandé 2 semaines de plus, pas chez moi. Osita, comme tu peux le voir, nous savons déjà où tu vis. Tu as une très belle femme. Je te donne encore 5 jours, je dis bien 5 jours, pour rembourser notre argent. Osita, juste un mauvais geste de ta part. Je te tuerai. Je vais te détruire. Je ne suis pas en train de blaguer. Ne me dis pas de me calmer. Ne me demande pas de me calmer. Tu aurais dû penser à ça avant de fuir avec notre argent. Osita, 5 jours. Je te donne juste 5 jours. Remets cet argent. Calme-toi. Ok, Osita. Je vais finir avec toi quand on se verra. C'est moi qui te le dis. Il ferait mieux de respecter ta parole. Seulement 5 jours. Nous t'avons à l'œil, tu comprends? 5 jours. Bébé, où sont passés tes amis? Oh, ils ont eu une urgence. Et ils sont partis. Mais ils ont promis de revenir d'ici le week-end. Oh, ok. Ils sont partis juste comme ça. Tu ne leur as pas offert à boire. Ah, ça va, ça va. As-tu fini? Presque, presque. Je venais leur demander s'ils voulaient manger ou autre chose. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Ils reviendront ce week-end. Je vais t'aider à terminer la cuisine. Et maintenant, tu veux jouer au chef cuistot. Waouh, l'amour de ma vie. Mon amour. Mon bébé, Achaluko, Anyamototo, Okwobala, viens voir papa, allez! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un mauvais pressentiment par rapport à ce voyage. Ne recommence pas. Ne recommence pas. Quel est le problème? Ta sœur, Adane, ta mère, sont au village. En fait, on y sera. Bien sûr qu'elles doivent rester là-bas. Elles doivent rester là-bas. Pourquoi tu t'en soucies? Écoute, allez, j'ai été très clair avec elles. Vraiment très clair avec elles. Écoute, il y a des limites et elles vont les respecter. Tu es ma femme. Nous y allons pour quelque chose d'important. Elles seront juste là. Je l'aurais souhaité. Je ne sais pas. C'est ta famille. Ah. Et alors? La famille reste la famille. Je suis d'accord. La famille reste la famille. Et tu es aussi ma famille. Allez, chérie, arrête de t'en faire pour ces gens. Oui, c'est ma famille, je sais qu'ils vont parler, mais... T'en fais pas pour eux. Et ton mari sera toujours avec toi. Et si quelqu'un essaye de te faire quelque chose, il aura affaire à moi et à ma manière. Ah, allez, ne t'en fais pas. Bien. Tu n'as pas à t'inquiéter. Allez, mon amour, tu n'as pas à t'inquiéter. Sais-tu qui tu as épousé?
Tu es la femme d'Akone Demo. Akone Demo Lomolo, allez, dis-le. Akone Demo Lomolo. Encore une fois. Akone Demo Lomolo. N'aie pas peur de ces gens, ce n'est rien du tout. Allez, voyons, y a-t-il une chose que je ne puisse faire? Pour toi, je suis prêt à tout faire. Tu n'as pas à t'inquiéter. Allons-y, hein? Je te rendrai toujours fier. N'importe quelle personne qui te parlera, tu auras juste à dire que tu es la femme d'Akone Demo Lomolo. Aoulé, que s'est-il passé? C'est Yakuna. Il est revenu de la ville. Je voyais comment il partageait de l'argent à tout le monde. Les veuves, les nécessitants. Il ne fait qu'aider les gens. C'est pourquoi je me suis précipité pour venir te le dire. Ça pourrait t'aider. Que veux-tu dire? Non, ma. Comment peux-tu me poser cette question? Veux-tu que le chief Iminiki prenne le sale terrain que ton mari t'a laissé? Tu ferais mieux d'aller voir Akuna. Il pourra t'aider. Parle-lui. Avant que tu ne te rendes pas compte, Tif Emenike et son ami, c'est encore quoi son nom? Obioso. Ils vont prendre ton terrain car ils savent que tu ne pourras pas aller voir Igwe. Mais un jour, ils vont le regretter. Comment suis-je censé m'y prendre? J'ai vraiment besoin d'aide. C'est pour cela que je t'ai dit d'aller voir Akuna. Akuna pourra t'aider. Es-tu sûr qu'il pourra m'aider? Bien sûr, ce Akuna que je connais pourra t'aider. Il va t'aider. Il va t'aider, ne t'en fais pas. Il va t'aider. Ok. J'essaierai d'aller le voir. D'accord. Non, maman, Biko. Biko, ne parle pas de ça. Laisse tomber ce sujet. Je t'en supplie, laisse tomber. Je vais me fâcher si tu recommences à parler de ça. Ce n'est pas pour ça que je suis venu, non. Biko, pardon, oublie ça. Maman, laisse mon frère tranquillo. Vas-tu la fermer? Si j'entends encore un seul mot venant de toi, je te ferai quelque chose que tu ne pourras jamais oublier. Bien, Akuna, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ton problème? Comment peux-tu avoir l'audace d'humilier ta sœur devant ces gens de la ville? T'as eu l'audace de la chasser de ta maison? Simplement parce qu'elle t'a dit la vérité sur ce qu'elle a dit, n'est-ce pas la vérité, hein? En insultant ma femme, c'est ça? Hein? Me dire la vérité en insultant ma femme, n'importe quelle personne qui insulte ma femme m'a aussi insulté, je ne l'accepterai pas. Non. Akuna, mais tu devrais savoir que nous ne voulons que ton bien. Exactement. Est-ce obligé de faire du bien? Suis-je un enfant dont je ne sais pas ce qui est bien pour moi? Mais qu'est-ce que tout ceci veut dire? Je ne perdrai pas mon temps bavardé, je t'ai prévenu. Ne viens plus chez moi. Hein? Tu dois m'appeler avant de venir chez moi pour m'en informer. Et ensuite, tu devras attendre mon autorisation. Même si ça prendra un an, tu devras attendre. Tu n'as pas construit cette maison avec moi. Est-ce que tu m'entends? Non. Tu as divorcé de ton mari. Et je ne te laisserai pas rendre mon foyer toxique. Je ne l'accepterai pas. Ah. C'est à moi que tu t'adresses comme ça? Akuna. Ta grande sœur? Tu l'as entendu? La vérité fait toujours mal. Et si tu ne veux pas entendre cette vérité, alors laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, ok? Ma femme et moi sommes heureux. On ne se plaint pas. Dieu nous donnera des enfants quand il voudra nous les donner, ok? Et ce sera quand? Écoute, j'ai écarté les pieds de ma femme et mets-lui un enfant.
C'est quoi ton problème? Écarte ses pieds et mets-le l'enfant que je vois si tu es Dieu. Et après 9 mois, tu le fais sortir. Écoute-moi très bien, peu importe à quel point tu feras des problèmes, jusqu'à la fin des temps. Personne ne peut avoir des enfants si Dieu ne l'a pas décidé. Essaye si tu veux, mais qu'est-ce que c'est? Hakuna, je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas. Pas de problème. T'as aucun respect à mon égard. Ah, ok. Maman? Dans ma propre maison. Je devrais m'en vouloir. Écoutez, j'ai été très clair. S'il vous plaît, je suis en train de vous avertir. Laissez-moi tranquille, sinon vous ferez un côté de moi que vous n'avez jamais vu avant. Hey. Pourquoi est-ce que je me dérange autant? Je vous en prie, venez. Venez chez moi, vous serez les bienvenus. Mmh. Tu jamais vu, c'est quoi cette histoire? Tu as vu ton frère? Tu as vu ton frère? Ça, ce n'est pas simple. Mais peu importe ce que cette fille a donné à mon fils, je vais me rassurer qu'il le vomisse. T'en fais pas, je vais faire la peau à ta femme, tu verras. Bébé. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Ma chérie, ce n'est rien de grave. Je changerai ça. Non, tu ne peux pas me dire ça. Ne me dis pas ça, ok? Tout ce qui te préoccupe me préoccupe aussi. Pour ton information, je suis ta femme. S'il te plaît, parle-moi. Ok, ok. Tu connais mes amis qui étaient ici la dernière fois? Tu les connais? Ceux de tes camarades du secondaire? Oui, oui. Oh, ok, oui. Il y a cette affaire qu'on a conclue. Ok. Alors, je me demandais si tu pouvais les joindre pour que ça s'agrandisse. Oui. Bébé, tu sais, les affaires ne sont pas les choses avec lesquelles on s'amuse, ok? Et avoir des partenaires signifie beaucoup. Alors, voici ce que je te conseille. Écoute ton cœur et fais juste ce qu'il te dit de faire. Après tout, tu connais ces gens mieux que moi. Merci infiniment pour ton amour et ton attention. Si je devais me marier dans ma prochaine vie, je prie pour que ce soit encore avec ma femme. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, bébé. Tu seras toujours mon mari. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, madame. Nous vous remercions. Les élèves et ainsi que les parents vous sont reconnaissants. Ça a vraiment aidé ces enfants, surtout ceux dont les parents n'ont pas assez de moyens. Nous vous remercions. Merci infiniment. Je vous en prie. Je vous en prie que Dieu vous bénisse également. Tous vos enfants et leurs parents. Je voudrais que ces enfants prennent des cours d'informatique. Qu'ils apprennent à utiliser un ordinateur. Nous sommes au 21e siècle. Tout le monde devrait savoir comment utiliser un ordinateur. Ils doivent terminer leur parcours scolaire en sachant comment utiliser un ordinateur. C'est vrai. Alors, dès que je serai de retour, je ferai un don de 50 ordinateurs et je les enverrai dans votre école. Merci beaucoup, monsieur. Merci, madame. Que Dieu vous bénisse. Nous avons tant attendu ceci. C'est bon, je vous en prie. Nous faisons ceci pour qu'ils deviennent des bons citoyens, car ce sont eux l'avenir de demain. De plus, cet argent, cette richesse... Nous allons mourir et laisser tout ça. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser maintenant? Je vous en prie. Si vous avez besoin d'autre chose, n'importe quoi, vous n'avez qu'à m'appeler, d'accord? Alors, les sacs de riz sont en route. C'est près de 300 sacs. Oui. Eh bien, dès qu'ils arriveront, vu que vous êtes leader des femmes, alors vous recevrez tous les sacs pour que vous puissiez les partager à toutes les personnes âgées qui ont besoin d'aide dans notre communauté. Et les veuves également. Et aussi, tenez ceci, c'est 400 000. Odogu, merci beaucoup. Nous sommes très reconnaissants. Que Dieu vous bénisse. Vous également. Merci beaucoup. Vous également. Odogu. Que Dieu vous bénisse davantage. Amen. C'est bon. Que Dieu vous bénisse également. Et qu'il bénisse toutes les femmes. Hein. Merci, monsieur. Oh, le leader des jeunes. Je voudrais que tu fasses une liste de tous les jeunes diplômés sans emploi dans notre communauté. Hein? Tous les jeunes. Une liste complète. Je verrai comment les aider.
Après cela, nous verrons ceux qui ont suivi une formation. Tu sais, de la menuiserie, de la médecine, toutes ces choses et tous ceux qui sont sans emploi. Je les ai aperçus dans différentes ruelles quand je me baladais dans le village. Je les ai vus en train de fumer, je ne voudrais pas ce genre de choses. Tu sais, si on peut gérer ce genre de choses, le crime va aller de façon décroissante. Oui. Oui, alors, je voudrais avoir cette liste d'ici demain pour qu'on puisse faire quelque chose pour eux. Ok? Bien. D'accord, d'accord. Bien. Oui, monsieur. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est rien. Et en plus de cela, je vais te faire un dépôt de 100 000 francs, d'accord? D'accord. Je vais vous apporter quelque chose. D'accord, merci, monsieur. Exactement, vous avez fait du bon travail. Vraiment du bon travail. Sans toutefois traîner. Je voudrais que vous soyez les meilleurs. Toutes les routes qui seront construites seront sous votre responsabilité. Et les centres de santé également. Si vous faites bien votre travail, je vous confierai d'autres tâches. Monsieur, vous n'avez pas à vous en faire. Du moment où l'agent est disponible, je ferai du bon travail. Bien sûr que l'agent est disponible. Ah, je vous enverrai 70% de l'argent pour que vous puissiez commencer. Merci, monsieur. Je promets que vous n'allez pas le regretter. Mon Merci. Comptable vous fera le transfert. Merci, monsieur. Mon fils. Igwe. Les mots me manquent pour exprimer ma gratitude envers toi. Mon peuple, et moi particulièrement, te remercions pour ces gestes envers nous. Que les dieux continuent de te protéger, te garder et te donner encore plus. Ici, Igwe. Igwe, je fais toutes ces choses parce que Tupokikiagama m'a béni. Je ne suis pas le plus riche, mais je crois toujours que si quelqu'un a de l'argent, il devrait aussi le partager avec d'autres. Je devrais le partager avec mon peuple. Il faudrait qu'il en profite aussi. Vous savez, de l'argent que nous avons. Sinon, cet argent n'aura aucun sens si je l'utilise tout seul. Parce que quand on aide une communauté et que celle-ci a tout ce dont nous avons besoin, le taux de délinquance va diminuer drastiquement. Ça a toujours été mon intention. Tu as raison, mon fils. Que les dieux continuent de te bénir abondamment. Issé, merci. Non. Cet homme ne mérite pas ce titre. En fait, Igwe doit enlever ce titre à cet homme. Sinon, ce garçon ne nous respectera plus. Il ne le fera plus. Imagine un tel titre. Akume Demolomolo. Comment peut-il avoir l'audace de s'appeler Akume Demolomolo? Non, mais pour qui se prend-il? Peux-tu imaginer? Écoute, tu vois, en fait, personne ne devrait briller dans ce village plus que nous. Écoute, attends. Nous devons nous renseigner et tout le monde devrait être en dessous de nous, hein? Marcher sur le monde comme des dieux. Exactement. Exactement. Écoute, laisse-moi te dire. Toute l'attention et les louanges devraient nous revenir. Si ce garçon décide de suivre le chemin d'Onotier, ce qui est arrivé à Onotier lui arrivera aussi, sans aucune pitié. C'est mon point de vue, pas de pitié. Tu sais quoi? Ton cas sera encore pire. Son cas sera encore pire. Comment? Il n'aura aucun moyen de s'en sortir. Ah. On lui fera monter la poussière. Et il s'en ira d'ici. Bien, écoute. Si tu pars là, dehors, te faire de l'argent comme tes égaux, et que tu commences à te balader n'importe comment, il faudra poser des questions. Il faut poser des questions. Mais ces jeunes, ils ne le font pas. Ils se ramènent juste comme... Akuna. Monsieur, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Ah, je n'arrive pas à croire que je vais enfin voyager pour le Canada, pour étudier la médecine, après toutes ces années. Je vous suis reconnaissant, monsieur. Merci, monsieur. Je vous serai toujours reconnaissant et redevable, monsieur.
Merci infiniment, monsieur. Que Dieu vous bénisse. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Lève-toi, lève-toi. Ah. Prends place. Merci, monsieur. Je t'en prie, je t'en prie. Dieu te bénira également. Quand tu arriveras là, tu ne devrais pas oublier ce qui t'y a amené. OK? Ne l'oublie pas. Les femmes, laisse les femmes tranquilles. Tu m'entends? Ne te laisse pas emporter par les affaires de femmes blanches. Étudie bien. Et après, tu pourras te trouver un travail et commencer à te faire de l'argent. Ton propre argent. Souviens-toi, tu as fait une promesse à notre peuple. Que tu ne l'oublieras jamais. Que tu l'aideras à développer le village. Quand tu auras de l'argent. Je te le rappelle. Hein? Merci, monsieur. C'est très bien. Je te souhaite le meilleur. Hein? Merci beaucoup, monsieur. Je t'en prie. C'est bon, merci infiniment pour ça. C'est bon. Je suis très reconnaissant. Merci, monsieur. C'est bon, c'est bon. Je dois y aller. Je t'en prie, tu peux t'en aller. Hey! Akuna, mon fils, merci. Comment puis-je m'en aller sans te remercier? Tu ne sais pas ce que j'ai subi entre les mains de ce Emenike. Akuna, Dieu continuera à te bénir. Dieu continuera à te bénir et tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien dans ce monde. Ta famille ne manquera de rien sur cette terre. Que Dieu te bénisse et qu'il continue à te bénir. Merci infiniment. Lève-toi d'abord. Je voudrais te dire quelque chose, mais si tu ne te lèves pas, je ne te dirai rien. Hey, hein? Ok. Lève-toi, je me lève. Hey. Je n'aime pas quand les gens se prosternent devant moi. Je ne suis pas Dieu. Hein? Dieu passe par moi pour vous bénir. Hein? Je vais te donner 500 000 naira de plus. 500 000 de plus? Hey! Anenkonkolone, moi, ça! Oui, je vais l'arrondir à 2 millions de naira. Seigneur! Oui, dès lors, après avoir remis l'argent que tu dois à Chief Iminike, tu auras de quoi faire des affaires. Hey! Anenkonkolone, moi, ça! C'est 500 000 de plus. Après avoir remboursé ma dette, je commencerai une affaire. Dieu continuera à te bénir chaque jour, chaque année, chaque semaine, chaque mois. Tu es béni. Merci infiniment. Merci. Hey! 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 Je suis contente, je suis très contente. Je te l'ai dit, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Aïe, ma sœur, c'est comme si j'étais en train de rêver. Je n'arrivais pas à le croire. Sais-tu que j'ai failli m'évanouir? Hey, Dieu, bénis ce Akuna pour moi et notre village. Amen. Maintenant et pour toujours. Nem, alors finalement, je suis libre. Oui. Libre comme un oiseau. Je peux me balader. Hey, maman. Je peux manger et je peux bien dormir. Hey, tu peux, Keke. Et quelle est Je suis contente pour toi. Honnêtement, je suis contente pour toi. Et je te remercie. Parce que si tu n'avais pas été là pour me pousser à aller demander, je ne l'aurais pas fait. Merci, mon ami. Merci. Tu es une très bonne amie. Que Dieu te bénisse. Ma fille, remercie-la. C'est merci, elle qui a tout fait. Bon, c'est bon. C'est bon. Hey. C'est bon. Merci beaucoup, ma chère. Avec tout mon respect, si c'est pour cela que vous m'aviez appelé, dans ce cas, je dois m'en aller. Je ne resterai pas là à écouter de telles bêtises. Je fais ces dons à ces gens, je le fais de tout mon cœur. Je le fais parce que j'aime ces gens, parce que je veux qu'ils évoluent, parce que j'ai en vue une meilleure communauté. Et tous les deux ne pouvaient pas vous asseoir là et me dire comment dépenser mon argent. Vous ne m'avez pas aidé à le gagner. Ne m'appelez plus pour ce genre de réunion. Excusez-moi. Akuna. Quand un enfant n'est pas assez sage, il se met à demander ce qui a tué son père. Mais ce qui a tué le père de cet enfant le tuera aussi. Nous ne sommes pas ce genre d'homme à qui tu tournes le dos. Écoute-moi très bien. Hein? Avant que tu ne commences à savoir comment nager dans les rivières, les gens comme nous nageaient déjà dans des océans et des hautes mers.
Tout ce qu'on te dira ici restera. Où est le rapport avec ce que tu dis, non? Même avec toi, oui. Ce n'est pas mon cas. C'est impossible. Je suis riche et vous ne m'avez pas aidé. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous êtes libre de rêver. Oui. Aucun roi ne règne pour l'éternité. Je vous respecte en tant que des hommes qui nous ont montré le chemin pour se faire de l'argent, mais pas moi. Je ne resterai pas là à vous écouter à faire des plans pour détruire des gens. Jamais. Je vous avertis. Arrêtez d'être maléfique. Est-ce que vous m'entendez? Arrêtez d'être maléfique. Le plus tôt serait le mieux pour tous les deux. Hakuna. Ok, Morgane. Morgane. Tu es encore un petit garçon dans ce jeu. Tu ne peux pas nous mettre au défi. Chaque garçon finit par devenir un homme un jour. Mon jour est arrivé. Je suis devenu un homme. Je suis riche plus que vous deux, mis ensemble, plus que toutes vos générations. Et il n'y a rien que vous pourrez faire, effectivement. Oui, il n'y a absolument rien que vous puissiez faire tous les deux. Je m'en fous de ce que vous êtes. Vous ne me faites pas peur, comprenez-le bien. Et je suis de retour et en vie. Je suis Hakune de Molo Molo, le seul de ce royaume. Et personne ne peut l'arrêter. Aucune personne, vivante ou morte. Pire encore, vous deux. Mais vous pouvez toujours essayer. Écoute, on verra bien. On verra bien. Anna, assieds-toi. Donc, t'as perdu cette belle Nouma à cause de cet idiot? Hey! Sais-tu comment je me suis visualisé? Comment cette femme serait bonne au lit? Hein? J'avais même prévu de faire d'elle ma maîtresse permanente. J'ai tout perdu à cause de cet imbécile. Emenike. Emenike. Nous devons faire quelque chose à ce garçon. Écoute, nous devons remettre ce garçon à sa place. Sinon, il se fera trop tard. Réglons-lui son compte ce soir. Non. Écoute, j'ai un meilleur plan. Tu vois, je ne voudrais pas qu'on nous suspecte. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Ouais, c'est mieux. Mmh.
Ok. On dirait que ce mec nous prend pour des imbéciles. Bien. Voilà déjà 1h45, il n'est toujours pas arrivé. Je commence à croire que ce mec se paye nos têtes. Ha! Danny, je pense que nous devons lui donner plus de temps. Ce qui compte, c'est que il nous rembourse notre argent. Ah, c'est maintenant que tu ouvres les yeux. C'est maintenant que tu vois le problème, n'est-ce pas? C'est toi qui m'as empêché l'autre jour de buter ses jambes. À chaque fois, tu me demandes de me calmer. Voilà maintenant, on est là assis à attendre là comme des mauvais esprits. Hein? Franchement, pourquoi ce mec se peigne nos têtes? Allez, Danny. Tu es toujours très nerveux. C'est pour ça que je te demande de toujours te calmer. Vas-y doucement, mec. Tu vois ce mec, hein? S'il pense pouvoir faire ce qu'il veut, alors tu sais quoi? Nous allons tout détruire. Nous allons tout faire exploser. Fais-moi confiance. Je fais confiance. On va buter sa gueule. Ne t'en fais pas, mec. Eh bien, je n'attends que ça. Ah! Hein? Hey! Qu'est-ce que c'est? Hey! Imbécile. Donc vous vouliez reprendre. Ça a toujours été moi qui mène le jeu. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe, bébé? Qu'est-ce qui ne va pas? Allez, bébé, qu'est-ce qu'il y a? Ah, oh, Seigneur. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Allô, papa. Est-il rentré? Pas encore. Il n'est pas encore entré et il est injoignable. Il rentre. Il va certainement mieux et il rentrera. Calme-toi. Papa, je l'espère vraiment, car je suis mal à l'aise. Nous informerons la police dès demain, si jamais il ne rentre pas. Mais tu dois te calmer et dormir. D'accord, je vais essayer, mais je n'ai pas sommeil. Ce n'est pas facile, comment vais-je pouvoir dormir? Essaie quand même. Je te rappellerai demain à la première. Bonne nuit. Je t'aime, papa. Bonne nuit. Oh, Seigneur Jésus. Oh. Oh, mon Dieu. Où es-tu, bébé? Où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas joignable? Qui êtes-vous? Osita. Aussi? Oui, où? Bébé, qu'est-ce qui s'est passé?
T'es injoignable. Je ne savais plus quoi penser. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bébé. Dieu merci, je suis en vie. Remercie Dieu que je sois rentré en vie. Je me suis fait kidnapper. Quoi? Par qui? Pourquoi? Et comment, bébé? Comment? Qui t'a kidnappé? Comment suis-je censé le savoir? Je n'en sais rien. Je t'avais dit que nous n'étions pas en sécurité ici. Je pense qu'il y a des gens qui veulent me tuer. Peut-être parce que nous sommes heureux et que nous avons de l'argent. Honnêtement. Mais, bébé, nous sommes toujours dans notre coin. Nous ne cherchons jamais d'embrouille. Nous sommes toujours dans notre coin. Alors, qui pourrait bien nous en vouloir? Ne sais-tu pas à quel point les gens sont méchants? Ne le sais-tu pas? Les gens peuvent devenir méchants sans aucune raison. Je pense que nous devons alerter la police. Je t'ai toujours dit de ne pas penser à la police. Oublie-les. Je pense que nous devons quitter cet endroit immédiatement pour pouvoir sauver nos vies. Ah, ok, alors qu'allons-nous faire? Par où devons-nous commencer? Quoi? Je pense qu'on devrait s'en aller le plus tôt possible. Et prendre le premier vol. Quoi? Oui, chérie. C'est clair du genre à ce point. Nous devons partir. Mais... Je sais que tu m'as toujours dit à quel point tu aimais rester ici. Et en plus, ton père a une maison. Où nous pourrions y rester pour un moment. Mais bébé, je n'avais pas prévu ça. Je n'avais pas prévu ça. S'il te plaît, pour notre propre sécurité, fais-le pour moi. Nous ne sommes plus en sécurité ici. Seigneur. Ok. Si tu le dis, tu sais, je ferai n'importe quoi pour toi. Je t'aime. Je t'aime. Tout ira bien. Je t'aime aussi. Ok. J'étais inquiète. J'étais très inquiète. Ça va aller. Oh, bébé, arrête, arrête, arrête de faire cette tête. Hein? C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Hein? C'est bon. Je n'ai pas de choix. Allons-y. Notre vol, c'est dans quelques minutes. Hein? Allons-y. Donne-moi ça. Es-tu sûr de pouvoir les porter? Ne t'en fais pas pour moi. Allons-y. Ouvre la porte. Tu n'es qu'un wo! Un wo! Un wo! Igwe! Ah! Igwe, pensez, hein? Regardez juste autour de vous. Ce jeune homme est un ritualiste. Igwe, il veut utiliser le pouvoir de nos ancêtres pour s'enrichir. Mais nous n'allons jamais l'accepter. Jamais. Ça, c'est incroyable. Igwe, ce n'est pas concevable. Il ne le fait pas pour rien. Je peux vous l'assurer. Écoutez-moi très bien. Toutes les personnes qu'il a aidées sont mortes étrangement. Ceux qu'il a promis aider sont mortes étrangement. Non. Les sorciers pleurent la nuit, ensuite les enfants meurent le lendemain. Et vous cherchez encore ce qui a pu tuer l'enfant. C'est très évident. Igwe, nous devons appeler ce jeune homme ici et le questionner, Igwe. Bah. Nous devons arrêter toutes ces conneries. Je vous le dis. En fait, tous les projets qu'il a proposés et qui sont sur le point de prendre forme, il devait arrêter tout cela. Ah, ah. Nous devons déjà prendre nos précautions. Nous devons déjà savoir de quel côté
Ils devraient nous attaquer. Et de cette manière, nous pourrions nous protéger, hein? Nous pourrions nous protéger. Si vous me demandez, Votre Majesté, je voudrais ajouter quelque chose. Ce titre de Akune Molo Molo Igwe, vous deviez revoir ce titre. Bam. Vous deviez le revoir. Laissez-moi vous dire, Igwe, si un homme est accusé de quelque chose, il devrait être suspendu jusqu'à ce que toutes les enquêtes soient terminées. Alors il devrait arrêter de se vanter avec ce titre. Igwe, vous devez revoir ce titre maintenant. Ah. Vous devez le retirer. Akune de Molo Molo. Mais ce jeune homme ne mérite pas ce titre. Akune de Molo Molo. C'est ce qui lui monte déjà à la tête. Je vais lui parler. Et je mènerai ma petite enquête. Si d'une façon ou d'une autre, il avait quelque chose à voir, il le regrettera et il sera exposé. Car un tel acte ne sera jamais toléré dans ce village. Non. Si je fais du mal dans le noir et que par la suite tu me poses une question concernant cela dans la journée, vais-je plaider coupable? Et pourquoi ça? Je saurais quel est ton but et pourquoi est-ce que tu veux que je réponde à cette question exactement. Igwe, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours le lui demander. Mais le véritable problème est que vous lui retirez ce titre pour le moment. Il ne le mérite pas. Je vous le dis. D'accord. Je lui parlerai. Nos ancêtres nous guideront sur cette affaire. Alors, vas-tu y aller? Ouais, j'irai. Oh, si j'y vais pas, ils penseront que je me cache ou un truc du genre. Que je suis coupable. Je vais y aller. Je n'en reviens toujours pas. Qu'ils puissent croire à ces histoires. Après tout ce que tu as fait pour eux, ils n'ont toujours pas confiance en toi. Bien. C'est la nature des hommes. Les humains se comporteront toujours comme ça. Peu importe ce que tu fais pour eux. À un moment donné, ils te rejettent. La vérité est que j'ai fait toutes ces choses pour eux, mais je ne les ai pas faites à cause d'eux. Sincèrement, je pense que je les ai faites pour Dieu. Oui, le Seigneur m'a béni. Et lorsqu'il l'a fait, je lui ai fait la promesse que, aussi longtemps qu'il continuera à me bénir, j'essaierai d'aider au mieux les gens. Ouais. Les choses sont comme ça. Tu as un grand cœur. Un très grand cœur. Alors, quand comptes-tu le rencontrer? Ou bien tu voudrais que je t'accompagne? Non, t'en fais pas. Merci quand même. Je te fais confiance, je t'en prie. Je me rendrai là-bas demain matin. Et je ferai face à ce côté de l'être humain qui est prêt à raconter des bêtises à propos des personnes innocentes, juste pour le plaisir de les salir. Qu'importe le choc, je surmonterai ça. Je te fais confiance. Ouais, je suis prêt. Mon amour, tu es encore debout, ça va? T'inquiète pas, c'est rien. N'est rien. Rien que je ne puisse gérer. Rendors-toi. C'est à cause de l'invitation du roi. Ne dis pas. Je t'ai dit que ce n'était rien. Ce n'est rien, ok? Ça n'a complètement rien à voir avec ce dont tu parles. Rendors-toi. Je vais bien. Ok. Rendors-toi, je vais très bien. Mon roi, j'ai dit la vérité. Toute la vérité et rien d'autre que la vérité. Oui, je fais toutes ces choses parce que je suis une bonne personne. Et il y a très peu de bonnes personnes dans ce monde, ok? Vraiment très peu. Je fais toutes ces choses parce que je suis philanthrope. Dieu m'a béni. Et lorsque c'est arrivé dans ma vie, je lui ai promis que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider les autres. Mon roi, je connais la souffrance. J'ai souffert. Croyez-moi, j'ai été dupé.
réduit à un vaurien. Et c'est de là que j'ai commencé, du plus bas, et j'ai construit mon empire. Tout seul, j'ai bâti cet empire dans lequel je suis. Et oui, je peux aider des gens. Et ce n'est pas comme si je n'ai rien d'autre à faire avec cet argent. C'est juste parce que j'aime l'humanité. Parce que j'aime notre monde. C'est pour ça que je ne veux pas qu'il souffre comme j'ai souffert. Mon roi, mon argent est authentique. Je ne suis pas ritualiste, non. C'est bon, c'est bon. Mais nous ne trouvons pas toujours une explication. Oh, mon roi, c'est simple. Ouvrez une enquête. Nous pourrons enfin comprendre comment ces gens sont morts. Pour ma part, je suis prêt à vous suivre, vous et qui vous voudrez n'importe où, pour prouver mon innocence. Hakuna, je te crois. Oh. Mon peuple se pose des questions. Hakuna, je suis désolé. Je suis dans l'obligation de te retirer ce titre. Jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. Igwe. Cet imbécile, il croit qu'il est sage. Nous verrons comment il nous fera la guerre dans cette communauté. Nous allons lui faire la peau, au point qu'il n'aura plus rien à dire. Rien à dire, rien à dire dans cette communauté. Oui, à cette communauté. Ce terrain appartient à d'autres personnes. Et par conséquent, il mérite de se faire respecter également. Écoute, ce n'est pas facile. Pas du tout facile. Il J'ai ne compris, peut pas venir mon frère. Nous sommes les seuls à pouvoir régner dans cette communauté. Hein? Pas de problème. Je te verrai plus tard, d'accord? Où est passé Emenike? Emenike? Sage. Emenike. Je sais que toi et ton ami Obiozo est derrière tout ça. Oui. Espèce de démon. Vous avez touché à la queue du tigre. Et bientôt, le tigre vous dévorera. Je m'assurerai que vous payez pour ça. Ferme-la et écoute-moi. Non, toi, tu la fermes et écoute. Vous avez beau avoir dupé les villageois et le roi. C'est bien. Mais... je ne tomberai pas, et jamais plus je ne tomberai. Jamais. Je ferai toutes ces choses que j'ai promis aux villageois, et tu peux me croire, personne ne m'en empêchera. Ça n'arrivera pas, je te l'assure. Très bientôt, le vent se fera, et tu seras démasqué. Encore faudrait-il que tu sois en vie pour le voir. Je te promets de m'en assurer. Je te le promets. Hakuna, Ogini. Tu oses nous menacer. Mm-hmm. Sais-tu qui nous sommes? Qui êtes-vous? Sais-tu que je peux mettre fin à tes jours tout de suite? Mettre fin à mes jours? Vas-y. Fais-le maintenant, vas-y! Mais vas-y! Écoute, tu n'as jamais été rien d'autre qu'une poule mouillée. Oui. Si t'en doutes, essaie. T'as juste à essayer et tu verras. Je sais que ton ami et toi n'êtes rien d'autre que des sales poteaux. Toujours aussi louches. Mais très bientôt, vous serez dévorés. Reste sur tes gardes. Parce que si tu fais pas attention, je te mâchouillerai comme ça. Ah. N'oublie pas. Comme ça. Tu t'en vas? Ne me dis pas que tu t'en fuis. Tu as peur, hein? Ha, ha, ha.
Oh, c'est Adima. Non, c'est ma cousine. Oh, c'est Adima. Quoi? Regarde ma cousine. C'est incroyable. Regarde-toi. Mais où es-tu? Chioma, c'est incroyable. Je suis en train de rêver. Bonjour, toi. Comment est-ce que tu vas? Désolé, voilà ma cousine Chioma. Oh, vraiment? Enchantée, ma chérie. Comment est-ce que tu vas? Merci. Regarde-toi, où étais-tu? Oh, ma future épouse. Oh, vraiment? Oh, elle est vraiment jolie. Merci. Viens là. Osez ta dîme. Chioma. Mais où étais-tu passée? Chioma. Regarde-toi. Oui, tourne-toi. Je vais bien me rassurer. C'est moi. Chioma. Bienvenue chez nous. Assieds-toi, je t'amène quelque chose. Merci. J'arrive. Ah. Ta femme est splendide. Merci, ma cousine adorée. Je t'en prie, cousin. Je suis heureux de te revoir. Regardez-le. Ça fait bientôt 13 ans que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Et tu dis que je suis ta cousine adorée. Mais arrête. Cousine préférée. Osita, arrête de te payer ma tête. Pardon. Tu sais comment elle a. Je suis de part et d'autre. Hein? Je ne reste pas sur place. Je comprends. Je dois me battre pour gagner de l'argent. Pognon. C'est ça. Hein? Comprends-moi. Continue. Mais la dernière fois que je t'ai cherché, j'ai appris que tu t'es mariée. Tu t'entends parler. La dernière fois que tu m'as cherché, c'était il y a 5 ans. Ça fait déjà 5 ans que je suis mariée, Osita. Ah. Et ça fait juste 5 ans que tu as de mes nouvelles. Comment se fait-il que personne ne sache que tu es mariée? Pardon, meuf. Pourquoi parles-tu comme ma mère? C'est pour ton frère, hein? Non? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, nous ne sommes pas encore allés à l'église. Mais je suis déjà allé voir ses parents. Oh, je vois. Mais je prévois le faire d'ici la fin de cette année. De plus, sa mère vit aux États-Unis. C'est une ambassadrice. Vraiment? Donc, sa mère est ambassadrice. Wow, impressionnant. Elle est humble. C'est une bonne femme. Merci, ma cousine adorée. S'il te plaît, ne me flatte pas aussi tard. Comment va ton mari et les enfants? Oh, mon mari va bien. Pour ce qui est des enfants, je n'en ai pas encore. Oh, ça va. Tu en auras. Sois patiente. Merci. Et Osita, tu dois venir chez moi. Tu dois venir chez moi, au moins pour rencontrer mon mari. Bien sûr que je le ferai. Tu dois connaître mon mari. Mais ça serait avec ma femme. Ah, je n'y vois aucun inconvénient, pas de problème. Quand elle sera d'accord. Et elle va accepter. Arrête de me flatter. Regarde-toi. S'il te plaît. Nous ferons mieux de briser notre silence, maman. Le plus tôt on fera quelque chose, le mieux sera pour cette famille. Comment est-ce que le seul garçon, que Dieu m'en préserve, et si quelque chose de mal lui arrivait, ne penses-tu pas que sa femme s'en irait avec tous ses biens dans la maison d'un autre homme? Mais tu as parfaitement raison. Ce n'est pas comme si j'ignorais que toutes ces choses que tu dis sont vraies. Mais ce qui me dérange actuellement, c'est pourquoi Kuna a décidé de ne rien faire face à cette situation. Sa réaction face à ceci, c'est comme s'il s'en foutait. Je ne sais pas pourquoi ce garçon a toujours été têtu et jusqu'à présent, il est toujours têtu. Oui, il est têtu parce que tu as toujours tout toléré, maman. Tu as tout toléré. J'ai tout toléré? Oui. Alors, que voulais-tu que je fasse? Maman, impose-lui une autre femme. Impose-lui une autre femme et il va changer. J'ai entendu tout ce que vous disiez. Grande sœur, pourquoi forcer? T'es malade? Apparemment, t'as plus aucun respect pour moi, n'est-ce pas? Combien de fois vais-je t'avertir de ne pas mettre ta bouche dans toute conversation que j'ai avec ma mère? Grande sœur, je fais partie de cette famille. Parfois, avant de faire quelque chose à quelqu'un, essaye de te mettre à sa place. Serais-tu contente si c'était toi? Je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas du tout. Maman? Amanda, est-ce que tu réalises que tu parles à ta grande sœur? Premièrement, avant de commencer, personne ne t'a invité à cette conversation. C'est une
conversation entre adultes. Personne ne t'y a invité. Tu nous as interrompus et as commencé à raconter des bêtises. Tu n'as plus de respect? C'est quoi ton problème? Maman, j'essaie juste de dire que Sœur Adané devrait laisser Frère Akuna et sa femme Tioma tranquille. Si son mariage avait fonctionné, elle ne serait pas en train de se battre contre une autre personne. Jésus, tu vas voir. Maman, maman! Adané, Adané, s'il te plaît, laisse-la. Pardon, laisse-la, s'il te plaît. Laisse-la, s'il te plaît, laisse-la, ça va, ça va. Idiote. Ah ah! Chérie, tu ne m'as pas dit comment s'est passée la réunion. Je n'arrive pas à croire que le roi t'ait appelé pour doter l'accusation. Bon, il l'a fait. Je lui ai dit ce que j'avais à dire. Je lui ai dit très clairement que je suis prêt à aller n'importe où il voudra m'emmener. Et? Je sais pas. Je pense que quand il sera prêt, il me tiendra informé. Je verrai bien quoi faire. Ils ont prévu de me retirer mon titre. Vraiment? Ouais. Ça m'a surpris. C'est incroyable. C'est la vie. La jalousie. L'envie. J'ai fini par réaliser que Chief Emenike et Obioso étaient derrière tout ça. Je leur ai dit le fond de ma pensée. Bébé, ne me dis pas que tu leur as fait face. Bien sûr que je les ai confrontés. Je suis un homme. Je suis capable de confronter n'importe qui sans avoir peur. Et je l'ai fait. Je leur ai fait savoir que je sais qu'ils en ont après moi. Et désormais, j'en aurai après eux. Mon amour, tu dois faire attention, tu dois faire attention. Ces hommes sont dangereux. Tu penses que je ne suis pas dangereux? Tu dois juste faire attention, s'il te plaît. D'accord. De toute façon, essayons d'oublier ça. J'ai croisé mon cousin, et ça fait 13 ans qu'on ne s'était pas vu. Je l'ai croisé au supermarché. Okay. Et je l'ai invité à la maison. Ça ne te dérange pas, j'espère. Bien sûr que non. Quand est-ce qu'il compte venir? Je te tiendrai informé le moment venu. D'accord, d'accord. Pas de problème. Bébé, Jésus. Qu'est-ce qu'il y a? Jésus. Oh, Jésus. Qu'est-ce qu'il y a? Un cauchemar? Oui. Le même? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Que veux-tu dire par là? Ce serait à moi de te poser la question. Ce n'est rien, ok? Rendors-toi. On en parlera le matin. Allez, s'il te plaît, on en parlera demain. Allez, viens. Ce n'est rien. Ma puce, pourquoi est-ce que ton mari ne fait absolument rien en ce qui concerne les cauchemars que tu fais tout le temps? Ou alors il ne veut pas avoir d'enfant avec toi? Ma sœur, je suis fatiguée. À qui vais-je poser cette question si tu me le demandes? Je suis fatiguée. Mon mari ne veut pas avoir un docteur, un pasteur, ni même chercher une solution. Pas du tout. Non. Tout est absolument normal pour lui. Ce n'est pas tout. Mon mari m'a dit que tout le monde n'était pas obligé d'avoir des enfants. Peux-tu imaginer? Ah, je suis fatiguée. Je suis juste... Tu ne peux pas comprendre. Je te l'avais dit. Tu dois faire quelque chose le plus tôt possible. Ceci avant que tu ne te réveilles un matin et trouves une autre femme dans ta maison. Non. Je veux dire, sauf si ton mari n'est pas au courant de la situation dans laquelle tu te trouves. Excuse-moi. Mon mari? Écoute, je suis désolée. Ok?
mais j'ai fait des rêves pareils à propos de ton mari. D'accord? En fait, pourquoi les villageois propageraient une telle rumeur s'il n'y avait pas une part de vérité dans ça? Tu dois vite faire quelque chose pour te sortir de là et sauver ton mariage. Vraiment. Tossé. Ces rêves. Chérie, je te l'ai dit, calme-toi. Détends-toi, ce ne sont que des superstitions et rien d'autre. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas du tout. Je veux dire, nous avons besoin d'aide, d'une solution. Nous avons besoin d'aide, n'importe quelle solution. Bien, je suis d'accord avec toi, il nous faut de l'aide. Ok, mais quoi de mieux qu'une aide médicale? Je veux dire, dans ce genre de cas, il faut se tourner vers la médecine et nous l'avons fait. Oui, nous sommes allés voir un médecin qui nous a tous les deux consultés. Il a dit que nous allions bien. Que veux-tu qu'on fasse de plus? Tiens-tu absolument à ce que nous voyons un pasteur, ces charlatans d'aujourd'hui? Hein? Je veux dire, tu es bien consciente que sur 10 pasteurs, 9 sont faux. Tu veux consulter un pasteur qui ne fera que te donner de fausses prophéties et nous causer des problèmes? C'est ce que tu veux? Mon cœur, calme-toi. Dieu va nous donner des enfants, ce n'est pas son moment, mais d'ici là, arrête de vouloir rendre ce foyer toxique pour nous deux. Je suis fatiguée, je n'en peux plus. Je suis fatiguée. N'avons-nous pas fait le bilan de santé dont tu avais parlé? On l'a fait. Chérie, s'il te plaît, as-tu quelque chose à me dire? S'il te plaît, tu peux m'en parler, je suis ta femme. Je peux t'aider. Quoi que ce soit. Quelque chose comme quoi? Je ne sais pas. C'est quoi n'importe quoi? Je te le demande, sur quoi est-ce que tu comptes m'aider? Quelles sont ces conneries que tu racontes? Excuse-moi. Bébé, allez, tu peux me parler. Bébé. Je n'ai rien à dire. Bébé. Je n'ai rien à te dire. S'il te plaît, je suis ta femme. Bébé, je suis désolé. Désolé. Hein? Je suis vraiment navré. Désolé de la manière dont je t'ai parlé. Je n'aurais pas dû le faire. Et tu as raison. Ok, tu as raison. Tu as raison. Le fait pour toi d'être inquiète, c'est normal. Mais tu verras, tout ira bien. Je t'en prie, arrête de pleurer. Viens. Je t'en prie. Arrête. Nous aurons de beaux enfants. D'accord? Il n'y a rien qui cloche chez toi et chez moi non plus d'ailleurs. Nous aurons des enfants lorsque Dieu le voudra. S'il te plaît. Allez. Calme-toi. Désolé d'avoir crié. Désolé de t'avoir parlé comme ça. Coucou bébé, tu y aimes? J'adore. Waouh! Tu es à couper le souffle. Tu sais que je suis toujours éblouie à chaque fois que tu t'habilles. Bébé, tu veux que je prenne la grosse tête? Je t'aime. Je t'aime encore plus, mon chéri. Je t'aime. Thank you.
Oui, oui. Ah ah. Osita Dima. Osita Dima. Et ce magnifique épouse. Ma cousine adorée. Bienvenue. Entrez, entrez. Entrez, 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 entrez. Entrez. Et bienvenue dans ma modeste demeure. S'il vous plaît, faites comme chez vous. Osita Dima. Mon frère. Allez, faites comme chez vous. Bienvenue. Bienvenue, ma belle. Merci. Ravie de te voir. Merci. J'ai cuisiné ton plat préféré. Mais laisse-moi appeler mon mari d'abord. Il était sous la douche quand vous êtes arrivée, ok? D'accord. Détendez-vous, ok? D'accord. Je reviens. Osita Dima. Ok. Chérie. Oui. Je m'apprêtais à venir te chercher. Mon cousin est arrivé. Mon cousin est arrivé. Oh. Osita. Vous vous connaissez? Chérie. Est-ce que tu... Reviens, reviens ici! Reviens, attends! Hakuna! Hakuna! Ah. Hakuna! Hakuna! Reviens ici! Hakuna, s'il te plaît! Mais arrête-toi! Pourquoi est-ce que tu fais? C'est mon cousin! Pourquoi est-ce que tu fais, hein? Hakuna! Arrête de courir! Tu n'as pas à avoir peur! S'il te plaît, laissez-le tranquille! Je vais te donner ce que tu es venu chercher! Hakuna, c'est mon cousin! Attends! Monsieur! N'ouvre pas le portail! N'ouvre pas le portail! Qu'est-ce qu'il y a? Valo! Mon cousin. Hé hey. Oh oh. Prends ça. Hakuna, c'est mon cousin. C'est mon cousin que tu voulais tuer. Il s'agit de mon cousin. Dis-lui de revenir. Hakuna, qu'est-ce qu'il y a? Qu'il revienne. Qu'est-ce qu'il y a? L'as-tu déjà rencontré? Je vais lui parler. Rentre chez toi. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Mébus, rentre. Rentre chez toi. Rentre. Rentre. Parle. Je te dis de rentrer. Rentre. Ah. Mais qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais lui parler. Ah, et oh. Que s'est-il passé? Il était vraiment prêt à te tuer. Ça s'est passé il y a de cela 9 ans. Quand nous étions en Afrique du Sud. Il était nouvellement arrivé en Afrique du Sud. Je savais comment les affaires se passaient, mais je ne lui ai pas introduit dans ça. Ces gars se sont enfuis avec notre agent parce qu'ils ont dit que c'était eux qui les avaient amenés chez ces gars. Il m'a accusé de l'avoir arnaqué. J'ai tout fait pour laver mon nom. J'ai tout fait pour laver mon nom. Je l'ai hébergé et nourri. Mais il ne m'a toujours pas cru. J'ai dit, ok, je vais rembourser cet argent, juste pour laver mon nom. Durant ce processus, nos papiers ont expiré. Et la police est arrivée. Nous avons tous fui. Et c'était la dernière fois que je l'ai vu, jusqu'aujourd'hui. Quand l'affaire était résolue, je l'ai cherché partout, mais il était introuvable. J'ai questionné quelques personnes. Certains ont dit qu'il était en prison. Donc je disais qu'il s'est fait rapatrier. Alors j'ai dû aller de l'avant. Waouh, waouh, waouh. Je comprends d'où vient sa colère. Écoute, bébé. Nous devons trouver un moyen pour qu'il écoute ta version de l'histoire. Nous devons le faire. Comme tu peux le voir. Il est en colère. Et comme on le dit souvent, un homme en colère peut faire n'importe quoi. Je dois lui accorder plus de temps. Ensuite, j'irai le voir et je lui parlerai. Eh bien, on sait maintenant ton beau-frère. Et ça sera encore plus facile. Hein? Tu sais quoi? Je vais te chercher un verre. Tu dois rafraîchir. Ouais, vas-y, vas-y. Je suis malin. Osita, tu sais mentir, mais
C'est comme ça qu'on survit dans ce jeu. Bâtard. Attends. Donc tu l'aurais tué si tu en avais eu l'occasion? Oui, je l'aurais tué. Je ne me serais pas arrêté là. J'aurais tué son esprit aussi. Pour qu'il ne revienne jamais dans cette vie. Bâtard. Tu n'arrives pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il a bien pu te faire pour que tu le détestes autant? Osita, c'est le diable. Tu vois ce gars? C'est le diable. Si tu savais ce qu'il m'a fait, si tu savais comment Osita m'a traité, je ne savais pas à quoi ce que je pensais. Je n'aurais jamais dû le laisser sortir de ce camp. Je n'aurais pas dû. J'aurais dû en finir avec lui. Chérie, imbécile. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il t'avait fait? Regarde le genre de personne que tu appelles frère. Tu veux savoir? Oui. Genre, sérieusement, tu veux savoir ce qu'Osita m'a fait? Tu veux savoir? Je veux savoir pourquoi est-ce que tu es si contrarié. Cela fait déjà 3 ans que je suis arrivé dans ce pays. Mais rien ne semble avoir changé. Je ne fais que souffrir de plus en plus. Ne serait-ce pas mieux pour moi de retourner dans mon pays, le Nigeria? Au moins, je saurais que je suis dans mon pays. Hein? Non, je suis venu chercher mieux. Oui, c'est pour ça que je suis parti. Comment pourrais-je entrer sans rien? Je deviendrai un sujet de moquerie. Que faire? J'en ai marre de rester ici. Que faire? Oui, l'Afrique du Sud. Je pense que je vais essayer l'Afrique du Sud, je m'y rendrai. Je pense que ça pourrait marcher. Oui. Je ferais mieux de vite me rendre en Afrique du Sud avant que le petit argent que j'ai ne finisse. Non, il n'est pas question que je me décourage, il n'en est pas question. Je dois me rendre dans le Sud et tenter ma chance là-bas. Ouais. Osita a accepté que je vive avec lui et qu'on partage le loyer. J'étais si heureux. Au moins, j'avais un toit au-dessus de ma tête. Pendant que je me démerdais, j'ai découvert que ce que je donnais à Osita et que je considérais comme la moitié du loyer était en fait l'intégralité du loyer. Ce qui signifie que je payais le loyer tout seul et lui ne payait rien du tout. J'étais donc le seul à dépenser et je ne pouvais faire des économies. Alors j'ai décidé de partir pour un endroit moins coûteux. Mais avant ça, Osita m'a proposé une affaire. Une affaire qui était censée changer nos vies radicalement. Il m'a persuadé de le rejoindre dans cette affaire, après s'être excusé de ce qu'il m'avait fait. Je l'ai cru, et je lui ai donné tout ce qui me restait comme économie pour cette affaire. Il fallait attendre 2 semaines pour avoir les résultats. Et 2 semaines après, Osita avait complètement disparu. Je n'ai eu de cesse de l'appeler et de le chercher, mais en vain. Je me suis fait chasser de la maison sans un sou, et la police sud-africaine m'avait arrêté. J'ai été emprisonné pendant 7 mois. 7 longs mois. Avec des travaux forcés. En espérant qu'un jour, je pourrais enfin mourir et que personne ne le saurait. Tout le monde s'en foutrait. Osita. Osita était complètement introuvable. Heureusement pour moi, une femme sud-africaine, une avocate pour laquelle j'avais travaillé en tant que jardinier, elle m'a reconnu alors que j'étais en train de travailler. Elle a eu pitié de moi et elle m'a fait sortir. Alors, après ça, elle m'a engagé. Elle avait une maladie rénale et souffrait de plus en plus. Je l'assistais pendant tout ce temps. Je prenais soin d'elle. Je lui donnais son bain. Je nettoyais tout ce qu'il fallait et tous les autres travaux. Juste avant sa mort, elle m'a légué la totalité de ses biens. Ensuite, sa famille s'en est pris à moi. J'ai dû vendre ce qui était en ma possession et je suis revenu au Nigeria. Maintenant, tu sais. Je suis revenu sans un sou. Je ne connaissais personne. J'ai dû tout recommencer à zéro. J'ai travaillé tellement dur pour arriver où je suis aujourd'hui. Je n'avais jamais plus revu Osita de toute ma vie. Jusqu'aujourd'hui.
Mon amour, s'il te plaît. S'il te plaît, oui, je sais que tu as parfaitement raison d'être fâchée, mais je t'en prie, oublie ça. Désolé, je ne peux pas. Je ne peux pas oublier ça, je ne peux pas pardonner à Osita, ce n'est pas possible. Je le retrouverai, je te le promets, je retrouverai Osita. Même si cela doit me coûter la dernière goutte de mon sang, je le retrouverai et il paiera. Osita paiera. S'il te plaît, bébé. Excuse-moi. Mon amour, s'il te plaît, s'il te plaît. Que les choses du passé restent dans le passé, je t'en prie. Oui, monsieur. Nous avons presque terminé. Je suis sûre qu'il y aura une bonne nouvelle avant la fin de cette journée. Je vous tiendrai informé, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir. Ce jeune homme est vraiment un idiot. Il a complètement dépassé les limites. Et maintenant, tout le monde n'a que son nom à la bouche. Est-ce que c'est juste son nom? Est-ce que c'est juste son nom? Et il appelle encore Hakone de Molo Molo. Hakone de Molo Molo. Le pire de tous. Ce jeune homme nous fait passer pour des moins que rien. Et nous devons arrêter cela. Obioso, il est temps que nous en finissons avec lui. Ouais. Il ira au moins rejoindre Nietzsche et lui demander ce que nous l'avons fait. Des fois, je me demande bien ce qui pourrait pousser ce jeune homme à nous défier ainsi. Peu importe ce que c'est, nous avons tout en notre possession et nous devons en finir avec lui. You will see his back and die. Tu ne peux pas continuer à garder le silence. Confronte-le. Il est ton mari. Pose-lui des questions pour savoir où vous en êtes. Tu ne rajeunis pas. C'est le bon moment, maintenant. Abunda! Abunda!
Bébé, tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a, ça? Ça n'a pas l'air d'aller du tout. Oui, ma chérie. Si jamais il y a un problème, tu devrais le dire à ton mari. Comme ça, le problème sera résolu. Tu es un sorcier. Pardon? Oui, je t'ai demandé si tu étais sorcier. Fais-tu partie d'une secte qui m'empêche d'enfanter? Écoute, parle-moi. Je suis ta femme. Je pourrais t'aider. On peut trouver une solution. Et tu... tu vas bien? Hein? Est-ce que tu sors d'un hôpital psychiatrique? Es-tu devenue folle ou as-tu fumé de l'herbe? Comment oses-tu? Comment peux-tu me poser une aussi stupide question? S'il te plaît, arrête de faire semblant. Tu n'as pas le temps pour ça, mais tu as le temps de faire manger mes enfants. Écoute, pourquoi est-ce que tu te salis les mains avec ça? Tu peux me parler? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi est-ce que tu manges mes enfants? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais semblant? De quel semblant est-ce que tu parles? Je veux dire, même si les gens le disent de moi partout, tu me connais. Tu pourrais jurer pour moi, tu me connais depuis des années. Pourquoi me demandes-tu de telles bêtises? Je ne mange pas d'enfants, je mange de la nourriture en guélée. Arrête. Écoute, je ne suis pas bête. Je ne suis pas du tout bête. Tu devras me remettre mes enfants, sinon... Sinon quoi? Vas-tu la fermer? Je ne suis pas bête. Je ne suis pas une folle. Viens me dire la vérité en face. Arrête de me mentir. Arrête de me mentir. Pour information, je suis ta femme. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Remets-moi mes enfants. Remets-moi mes enfants. Remets-moi mes enfants. Je n'en peux plus. J'en ai marre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous avons fait tout ce que nous étions censés faire. Tous les sacrifices avant que Obioso ne fasse ce rituel. Comment se fait-il que ce jeune homme soit encore en vie? Et il a toujours son titre. Non, je dois trouver ce qui s'est passé. Ce qu'il pratique. Et quelle secte est-ce qu'il sert? Hakuna, tu ne t'en sortiras pas aussi facilement. Je te le promets. Bébé, je t'ai dit exactement ce qui s'est passé. Je sais qu'il t'a raconté cette histoire juste pour satisfaire son ego. Mais s'il est prêt à laisser son ego de côté et dire la vérité, il peut venir pour qu'on s'asseye et qu'on en discute. Bébé. S'il te plaît, parle-lui. Parle-lui pour qu'on puisse dire les choses au clair. Je veux dire, nous sommes déjà une famille. Non, je ne pense pas qu'il viendra. Il est encore en colère. J'ai également besoin d'une solution. Je dois trouver une solution. Mais je dois d'abord discuter avec lui. Je dois le faire. Hakuna est tellement désespéré et veut à tout prix se faire de l'argent. Il est prêt à tout faire pour de l'argent. La Sud-Africaine dont il t'a parlé était une cougar avec qui il était en couple. Quand il était en Afrique du Sud, je l'avais averti avant qu'on se sépare, mais il ne m'a pas écouté. Je sais qu'il a clampé ses mains quelque part pour pouvoir se faire de l'argent. Maintenant, regarde-toi. Tu souffres de quelque chose dont tu n'étais pas au courant. Je souffre tellement. Pendant combien de temps est-ce que ça va continuer chez Oma? Tu ne peux plus continuer à souffrir de cette façon. Tu ne peux plus continuer à céder à ses caprices. Il est temps que tu fasses quelque chose pour ça. Et je suis prêt à t'aider. Oui, je suis aussi prête à t'aider. Ok? Je veux dire, aucun homme n'a le droit de traiter une femme comme il le fait avec toi. Tu dois vite agir, vu que tu as décidé de le sauver et de sauver aussi ton mariage. Tu dois vite agir. Je le ferai. Je le ferai. Ah.
Dis donc, encore toi? Pourquoi me barres-tu le chemin? Donc tu penses que tu es fort? Tu penses que tu as l'audace? Laisse-moi t'avertir. La mort de mon ami ne restera pas impunie. Tu vas payer pour ça. Tu devrais avoir honte de toi. Si j'étais toi, je n'oserais même plus sortir dans la rue. Qu'est-ce qui te donne l'audace d'arrêter un homme comme moi et de me parler de la sorte, hein? En fait, tu sais quoi? Je ne sais même pas pourquoi je perds mon temps à discuter avec quelqu'un comme toi. Hein? Regarde-toi. Mais Grishon, tu m'arrêtes pour mon gueule et tu devrais avoir honte de toi. Mon ami, dégage ce tas de ferraille. Dégage-le de mon chemin et laisse-moi passer. Hakuna, je te promets, la vérité éclatera. Tu ne verras plus jamais la lumière du jour. Va raconter tes idioties ailleurs, enlève ta voiture et laisse-moi passer. They are not pure, I stay clean. They appear as you see them. Stand strong and be alive. If you can see through the heart of a man, you will see his dark and dynamic. Hey, dynamic. Your own can still keep you very close. And still kill you away, away. They are not pure as they claim. They appear as you see them. Stand strong. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Kibosakata lagade sandalagade. Mandura bachete kelibasanda lagado. Sukata, au nom de Jésus. Merci, Jésus. Ce que tu traverses est une puissante guerre spirituelle. Et je peux t'assurer qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Dans le règne spirituel, Dieu m'a fait voir plein de choses te concernant. J'ai vu des alliances. J'ai vu une alliance de sang. J'ai vu des pactes et des barrières spirituelles. L'éternel Dieu te sauvera. Amen. Nous allons devoir faire 7 jours de jeûne et de prière. Et à la fin de cette prière, le Seigneur va ouvrir tes yeux et tu verras la vérité. Et là, nous saurons quoi faire. Le résultat final sera la victoire. Amen. Nous aurons la victoire au nom de Jésus. Amen. Ma sœur, je vais te donner quelques versets bibliques qui pourront nous aider dans la prière et les différents angles que nous allons toucher. Reba sakata lagade lando la mashikiti zeke lakadosh kata lagade mandora baya lagade. Merci Seigneur Jésus. Amen. Votre Majesté, j'ai entendu ce que vous avez dit. Je vous tiendrai informé. D'accord. Merci pour ta compréhension. D'accord. Comme tu peux le voir, nous ne voulons que du bien. C'est tout. C'est d'accord. D'accord, Majesté. Je vais prendre congé de vous. Votre Majesté. Emenike, tout va bien. Votre Majesté, comment est-ce que tout peut bien aller? Majesté, j'ai perdu un ami très cher à moi. Hein? Il n'y avait que lui et moi qui voulions le bien-être de notre village. Votre Majesté, la mort de Obioso ne peut pas rester impunie. Je ne laisserai jamais cela arriver. Et ce jeune homme se doit de répondre à toutes mes questions. Je sais qu'il est venu ici pour vous convaincre de lui redonner son titre, mais Votre Majesté, cela n'arrivera pas. Je ne laisserai pas cela arriver. Emenike, s'il te plaît, calme-toi. Hein? Je comprends que tu sois en colère, mais condoléances. Je préférerais qu'on aille pas à pas. Tout mystère sera élucidé, crois-moi. C'est bon, mais Votre Majesté, vous m'avez appelé. Oui, s'il te plaît, assieds-toi.
Oh, arrête, arrête, arrête. Allez. Ah. Mmh. Mais arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Mmh. Oh, laisse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-toi aller. Allez. Je ne suis pas du Marcel, s'il te plaît. Ah, c'est mon devoir de mari. Je vais faire remonter tes envies, hein. Oh, arrête, arrête. Je vais te laisser dans cette chambre, oh. Ah. Arrête. Bon, d'accord, je suis désolé. Si c'est à propos de ce que j'ai dit l'autre jour, je suis désolé. Désolé, mais c'est la vérité. Je n'ai jamais été ritualiste. Mon argent est authentique, je suis vrai. Ok, dans ce cas, allons voir mon pasteur. Ah, tu recommences, s'il te plaît. Je ne veux pas entendre parler de pasteur dans cette maison. Ils vont t'induire en erreur et ne feront que t'embrouiller davantage, non? Mon amour, ils ne sont pas tous pareils. Il y en a qui sont encore bons. J'ai dit non. Non, s'il te plaît, pas dans cette maison. Je te l'ai déjà dit et je le redis, pas de pasteur ici. Ah, hein. C'est à cause de ce petit truc que je te supplie, pas de problème, garde-le. Je n'en veux plus, je vais dormir. Je vais supporter. Tu fais juste semblant. Mais on nous le dira. Je ferai éclater la vérité. Je vais récupérer mes enfants. J'arrive. Jésus, le sang de Jésus. 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 Qu'est-ce qui ne va pas? Nathan, c'est toi depuis tout ce temps, mais tu le niais. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu manges mes enfants? Mais pourquoi? Pas avec toi, tu veux recommencer? Tu as encore recommencé? Quel est ton problème cette fois, hein, Orguine? Quel est ton problème? Je ne crois pas. Je dis, je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Je l'ai vu. Je l'ai vu la nuit dernière. Le pasteur me l'avait dit que j'allais le voir. Donc c'était toi. Oh mon Dieu. Mais oh, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! De quoi est-ce que tu parles? Il avait raison après tout! Il avait raison! Tu m'as arraché tous mes bébés! Tu vas me les remettre! Toi! Remets-moi mes bébés! Remets-moi mes enfants! Attends! Quel pasteur? Oh, celui d'Ossita! Son pasteur! C'est Ossita que tu connais! Ce pasteur t'a démasqué par ses prières! Pasteur et Ossita dans la même phrase! Le Ossita que je connais! Hein? Le même? Oui, oui. Ce pasteur qui t'a démasqué par ses prières. Il m'avait dit que j'allais le voir et j'ai fini par voir. Je pensais que j'allais rester les bras croisés en te regardant me rendre inutile avec tes pratiques malsaines et sataniques. Non, je devais trouver une solution. Tu vas la fermer! Mais tu folles. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai prévenu de ne pas aller voir de pasteur, je t'ai prévenu. Et le même Ossita dont je t'ai parlé, ce même bâtard qui a gâché ma vie. Toi, tu vas le voir. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vois que tu veux détruire cette famille.
S'il te plaît, écoutez, ces personnes insensées et complètement imbéciles, hein? Qui insulte ton mari? Tu veux détruire cette famille? Ça ne marchera pas. C'est bien la dernière fois. Tu m'entends? La toute dernière fois qu'on aura cette discussion dans cette maison, la dernière fois! C'est bien que tu aies pris les devants pour connaître ta position. Hein? Tu dois maintenant trouver une solution. Rita, je ne comprends pas. Mon mari n'avait jamais levé la main sur moi. Depuis que Lou et moi, on est mariés. C'est une manière de dire qui il est vraiment. Je veux dire, tu venais de le découvrir. Je suis désolée pour ça. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi moi? Je l'ai aimé, même dans la pauvreté. J'étais à ses côtés. Pourquoi? Ça va. Ça va. Nous devons pourquoi trouver une solution avant que ça ne s'empire. Ok. Je suis désolée. Arrête de pleurer, d'accord? Ça va aller. Je t'avais dit, Takuna est prête à tout pour se faire de l'argent. Il pourrait même utiliser sa mère pour des rituels. Hey, que Dieu m'en garde! Donc il peut être si cruel? Takuna n'a pas de conscience, il n'a pas de cœur. Oubliez ces gestes humanitaires qu'il fait. C'est juste pour voiler les yeux. Et en même temps, utiliser l'avenir des autres pour s'enrichir. Selon les rumeurs. Maintenant dis-moi, n'est-ce pas la vérité? Jésus-Christ! Tu sais, c'est possible qu'il soit le responsable du divorce de sa grande sœur. Bien sûr que c'est lui. J'ai des doutes. Vous savez, les atrocités que les gens endurent juste pour devenir riches, avec ce peu de temps que nous vivons sur Terre, est vraiment, vraiment très inquiétant. Ma chère, tu dois sauver ta vie. Nous ne connaissons pas la prochaine étape. Dis-lui, dis-lui. Peur de qui? Mon mari et Akuna. Je n'ai pas peur de lui. Non, 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 non. Il n'était pas comme ça quand on s'est mariés. Mais tu sais quoi? Je vais l'aider. Il est mon mari. Il ne peut pas le faire tout seul. Mais avoir peur de mon mari, Akuna, non. Non, non. Akuna est dangereux. Ne t'en fais pas. Dangereux. Il est mon mari, je m'en occupe. Je vais l'aider. Ok, ok. Ne t'en fais pas, c'est pas un problème. Je t'ai tout dit. Tu dois faire attention, ma chère. Tu dois faire très attention. Dégagez d'ici! Dégagez! N'importe quoi! Ne vous ai-je pas averti que cet homme est un ritualiste? Hein? Il veut utiliser le sang de notre peuple et les envoyer à la tombe. Que je vous revoie encore par ici. Idiot! N'importe quoi! Non, venez tenter, Minike! Venez tenter, Minike! Venez tenter, Minike! Bah, hein, ne fuyez pas! Revenez, revenez! N'importe quoi! Idiot!
will I ever be happy? Will the sun ever smile again? Will the stars ever shine on me? Will I ever be happy? Ebelebe, what the hell is happening? Ebelebe, Ebelebe, should I hope for a change? Ebelebe, Ebelebe, what the hell is happening? Ebelebe, Ebelebe, should I hope for a change? Ne t'en fais pas pour ça, mec. Juste, calme-toi. Prends cela avec douceur. Oh, Chioma. Chioma, ma femme, de tous les gens sur cette terre, c'est Chioma. C'est donc ça. Les gens sont imprévisés, peu importe à quel point tu les connais. Pas Chioma. Chioma me connaît depuis si longtemps. Même quand nous n'avions rien, elle a toujours été là. Et pensez qu'elle choisit de croire des inconnus qui m'accusent à tort. Dès que quelqu'un se met à croire à ses pasteurs, crois-moi, mec, ta vie, ta famille est ruinée. Pas seulement ça, mec. Chioma est allée bien plus loin. Elle s'est faite consulter et maintenant elle croit à mon pire ennemi, Ossita. Ce même gars qui m'a dupé et a essayé de me tuer. En fait, calme-toi. Ça va aller. Juste, calme-toi. Amanda. Amanda? Peut-être ta femme lui a parlé. Tu sais qu'elles sont tes proches? Ouais. Allô, Amanda? Où est ce fou? Emenike! Où est cette espèce de nain? Emenike! Sors, espèce d'idiot! Hakuna, tu n'as plus peur. Tu oses même m'appeler par mon nom. Tu me traites de court. Que vas-tu faire? Je ne suis pas venu ici discuter d'idiotie avec toi. Pourquoi as-tu envoyé les manœuvres de mon chantier? Pourquoi les as-tu chassées? Hein? Pourquoi interdis-tu aux enfants de puiser de l'eau? Pourquoi? Tu devrais avoir honte à ton âge. Hein? Je l'ai fait parce que je suis le seul à pouvoir le faire. Tu crois que je ne connais pas tes plans? Je connais tes plans. Tu veux utiliser ce centre de santé comme moyen pour sucer du sang et le donner à ta secte. Quoi? Tu as échoué et nous ne voulons pas de cette eau. Qu'est-ce que tu racontes? Je donnerai à mon peuple ce qu'il veut. Menteur, tu ne peux rien leur donner. Tu es diabolique et sectaire. Tu penses que je ne sais pas que je suis tout ce que tu as toujours rêvé d'être? Tu es jaloux de moi. Et c'est cette jalousie qui te tuera. Laisse-moi te dire. Ni toi, ni personne d'autre ne pourra m'arrêter. Tous les projets que j'ai promis à ce peuple, je les réaliserai tous, et bien plus, et toi, tu n'y pourras rien. Mais écoute, ça ne marchera pas. Cherche quelqu'un d'autre à influencer, ça ne marchera pas avec moi, jamais. Hakuna, j'étais un seigneur avant que tu ne touches de l'argent. Méfie-toi. Malheureusement pour toi, je suis un seigneur. Plus grand seigneur que toi, j'ai plein d'argent. Tout ce que tu peux faire, je le fais 10 fois.
Méfie-toi. Laisse-moi te dire, encore un seul geste de ta part, un seul geste pour m'insulter, et je te ferai quelque chose que tu n'oublieras jamais. Nous verrons. Bien. Nous verrons. Tu vas mordre la poussière. Tu mordras la main. Tu vas mordre la poussière. Je ne t'épargnerai pas. Tu oses me menacer, hein? Tu vas voir. Je te maudis, Hakuna. Voilà ça. Regarde bien. Regarde ça. Tu ne seras pas épargné. Ne t'en fais pas. Démon. Nous verrons bien. Nous verrons. Pas de problème. Voyons ça maintenant. Juste un peu. Tu t'enfuis. Voyons ça maintenant. J'ai dit voyons ça maintenant. Regarde ça, idiot. Crétin. Espèce de concre. Je vais aller les rappeler. Mes gars continueront de travailler dans ce chantier. Toi, que le tonnerre te foudra. Peux-tu imaginer? De toute façon, je l'ai remis à sa place. Ouais. Je lui ai parlé et je lui ai fait comprendre que je n'accepterai pas toutes ces conneries. Je suis sûr qu'il n'essaiera plus. Parfois, je me demande ce qui ne va pas chez cet homme. Pourquoi se bat-il? Quoi d'autre? La jalousie. Et il voudrait être le seul à être riche. Incroyable. Mon fils. J'ai appris que ta femme t'avait quitté. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Comment le sais-tu? Est-ce vrai ou faux? Réponds-moi. Ah, Hakuna, pardon, ne me tue pas. Ne me tue pas, s'il te plaît, je suis désolé. Je suis désolé pour tout le mal que je t'ai fait. S'il te plaît, pardonne-moi. Te pardonner quoi? Non, réponds-moi, pourquoi est-ce que tu es désolé? Pour m'avoir arnaqué et m'avoir laissé sans abri? Hein? Pour avoir raconté toutes sortes de mensonges sur moi et avoir fait en sorte que ma femme me déteste? Est-ce pour ça que t'es désolé? Tu ne veux pas que je te tue? Je vais tirer une balle dans ta tête. Tu mourras. Comme ça, dans ta prochaine vie, tu seras quelqu'un de bien. Hakuna, s'il te plaît, je suis prêt à tout confesser. S'il te plaît, pardonne-moi. Nous sommes maintenant comme des frères. Hein? Hein? Qui est ton frère? Que le tonnerre te foudroie. Ah! Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et nous croyons qu'il fera encore plus. L'Église apprécie votre geste. Merci beaucoup. Ce n'est rien, pasteur. Pasteur, je n'ai pas envie d'abandonner mon mari. Je l'aime encore. J'ai envie de l'aider. Il n'y a rien que Dieu puisse faire. Kiskoboyalagade mandolama siketa italakade. C'est vraiment gentil de ta part. Il est mon mari. Si c'est le cas, nous allons commencer une prière, une bataille spirituelle. Ok. Et là, je viendrai avec mon bataillon de guerriers spirituels. Et tu nous rejoindras dans cette prière. J'espère que le bon Dieu nous montrera la voie à suivre. Et de là, nous aurons la victoire à la fin de la journée. Bien sûr que oui, pasteur. Merci, je le sais. Vous devez savoir qu'il n'y a rien que l'Éternel ne puisse faire. Ok, pasteur. Merci. Oscar! Monsieur!
Qu'est-ce qui se passe chez moi? Ah, Oga, c'est madame O. Elle est revenue avec les membres de son église. Je ne sais pas d'où ils viennent. Ils sont 4 filles et 2 garçons. Ils ne font que prier, chanter, chanter, comme s'ils voulaient ouvrir une église dans cette maison. Je suis même sorti faire les achats, et quand je suis revenu, ils priaient toujours. Je n'y comprends rien. Je ne sais pas s'ils veulent ouvrir une église dans cette maison. Abby, peut-être qu'ils veulent louer le salon pour en faire une église. Je ne comprends pas. Je suis même allé me promener, mais ils étaient toujours là. Oh gars, je ne t'ai pas tout raconté, mais tu t'en vas déjà. Ce ne sont pas mes oignons. Stop! Arrêtez ces conneries! Stop! Jésus! Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? Que font-ils chez moi? Oh oui, c'est le pasteur. Il va prier pour nous. C'est pour ton propre bien. Il va te délivrer. Pour qu'on soit délivré. S'il te plaît, Akuna. Ma délivrance. T'ai-je dit que j'ai besoin de délivrance? T'ai-je dit que je dois être délivré? Et vous, arrêtez ces conneries et sortez de chez moi! Akuna, s'il te plaît, laisse-les prier. Laisse-les nous délivrer. Je vous parle et vous continuez. Akuna, s'il te plaît. Jésus est avec vous. Akuna. Attendez-moi. Pasteur, ne l'écoute pas. Continuons de prier. Nous devons demander au Saint-Esprit de prendre possession de lui. Nous devons implorer le Saint-Esprit. Allez, prions. Prions. Allez-y. Où sont-ils? Hein? Où est-ce que vous allez? Revenez par ici. Revenez. Mais revenez. Revenez. Restez! Idiot, venez me délivrer! Pourquoi vous fuyez? Hé, attention! Espèce d'insensé! Oscar! Monsieur! Si je revois ces gens chez moi, tu seras viré! Ok, monsieur. Je vais divorcer. Je n'arrive pas à croire. Akuna, pourquoi? Votre Majesté, vous demandez pourquoi? Quoi d'autre par l'argent? Hein? Le pouvoir et la gloire. Hey, un loup déguisé. Et je l'ai toujours su. C'est juste que sa femme l'a sous-estimé. Ça donnerait une mauvaise image de cette communauté. Dont nous ne pouvons plus faire confiance à qui que ce soit. Votre Majesté, il doit payer pour tout ça. Il ne restera pas impuni. Jamais. Oui. Nous avons besoin d'une preuve concrète pour le condamner. Nous ne pouvons pas agir sans preuve. Il pourrait nous porter plainte, car il a été pris en flagrant délit. Votre Majesté, oubliez ça. Je vais l'arrêter et je vous le ramènerai. Je vais le démasquer, je vous le promets. Je le dois. Amadi, tu fais encore cette tête? Tu ne peux pas continuer à t'infliger ceci, non? S'il te plaît, arrête. 5 ans. 5 ans de ma vie partie dans l'eau. J'ai perdu 5 ans de ma vie. 5 ans
rien pour le prouver. Rien que des mensonges. Je me suis fait utiliser. Je suis la personne la plus stupide sur cette terre. Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas du tout. Tu l'aimais. Et tu suivais juste ton cœur. Il n'y a absolument rien de mal à cela. D'accord. Je suis vraiment désolée que ça s'est terminé ici. Mais tu sais, dans la vie, nous ne devons pas laisser ce genre de situation nous décourager. Ok? Alors, ne laisse pas ça te détruire. Tout ira bien. Comment vais-je faire? Par où vais-je commencer? Tu es très belle. Tu es jeune, élégante et intelligente. Tu as toute la vie devant toi. Alors tu dois être forte pour l'exploiter. Ok? Tout ira bien. Hakuna, je ne vais jamais te pardonner. Ça va. Ça va. Je ne vais jamais te pardonner. Ça va aller. Ça va aller. Jamais. Pas du tout. C'est bon. Entrez. Bonjour, mec. Comment vas-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Maître Charles m'a appelé. Shioma veut sérieusement divorcer. Je ne comprends rien, j'ai très mal. Je veux dire, comment est-ce que Shioma a pu permettre que cette histoire en arrive là? Juste à cause des gens. Je suis avec Shioma depuis tellement d'années. Quand je n'avais encore rien, j'ai tout bâti avec elle. Même avant de voyager, je connaissais déjà Shioma. Je pense qu'on se connaît depuis 10 ans maintenant. Et comment peut-elle... Hakuna. Les gens changent tout le temps. Cherchons plutôt à prouver ton innocence. Ensuite, tu penseras à la famille. À ce que je vois, elle est obsédée par ses croyances. Calme-toi, donne-lui le temps de surmonter cette douleur et vois la vérité en face. Tu ne comprends pas. Prouver que je suis innocent, ce n'est en rien mon problème. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, ça les regarde. Ce qui compte, c'est mon mariage. J'aime ma femme. J'aime Shioma. Je sais, je le sais. C'est pas à pas. Je te promets que tout reviendra dans l'ordre. Tout ira bien. Crois-moi. Juste, calme-toi, tout ira bien. Maintenant que tout s'est retourné contre moi, et Shioma est maintenant de mon côté, je ferai en sorte qu'il lui envoie les papiers du divorce. Pour que je puisse tuer Hakuna. Ensuite, elle m'héritera de tout. Je vais la persuader et je récupérerai tout son héritage. Puis, je l'enlèverai en prison. Ou meurtre. Ou alors, je vais la tuer. Ensuite, je pourrai tout hériter. Je l'ai déjà fait, Hakuna. Et je pourrai le refaire. Car j'ai toujours été plus rusé que toi. Ozita, tu es un génie. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? T'es encore debout? Chérie, je suis désolé. Je t'inquiète. Quoi, chérie? Il s'agit de ma cousine Shioma. Elle est si gentille. Oui. Et elle ne mérite pas ce qu'il arrive. Pas du tout. C'est si triste. Tu sais, bébé, ainsi est la vie. Ok, mais
Nous pouvons juste la soutenir le plus possible. Lui prêter main forte à notre manière. Ok? Tout ira bien. Crois-moi. Alors. D'accord. Viens. Allons nous coucher. Nous devons dormir. Il se fait tard. Allons-y, s'il te plaît. Ça va aller. D'accord. Je l'avais dit. Je l'avais dit que je l'aurais. Ceci n'est que le début. C'est mieux que je ne le tue pas maintenant. Les gens sont contre lui. Et j'ai gagné totalement mon respect dans cette communauté. Mais un instant, je me demande vraiment ce qui protège ce garçon. Hein? Non, même s'il fallait que j'aille fouiller jusqu'au fond de la mer pour le faire tomber, cette fois-ci je le ferai. Je l'aurai. Aguna ne va pas du tout s'en sortir. Il devra payer pour tout ce qu'il m'a fait et aux autres. Il ne restera pas impuni. Je suis d'accord. Mais tu ne peux rien faire de toi-même. Tu dois vraiment tout laisser à Dieu. Ok? Tu as besoin de plus de temps pour guérir. Je vais guérir. Mais il doit payer. Bien. Il doit payer. Bien. Mais allons à l'intérieur. Il se fait tard. Il doit le payer. Allons-y. Il doit le payer. Sincèrement parlant, Oulé, ma sœur, je ne sais pas, mais quelque chose me dit que il est innocent de tout ce dont on l'accuse. Je ne vais pas te mentir. Je ne sais plus ce que je devrais croire. Je me disais juste que c'était des histoires, jusqu'à ce que sa femme le quitte.
Ne penses-tu pas qu'il y a quelque chose derrière ça? Car elle vivait avec lui pendant tout ce temps. Elle le connaît très bien. Et si elle se faisait utiliser ou manipuler? Écoute, une femme qui veut désespérément un enfant ferait n'importe quoi, je t'assure. Oui. Bien. Nous sommes tous dans ce village. Le temps nous dira. Regarde-moi tout simplement. C'est grâce à lui que je suis en pleine forme. Et depuis peu, je n'ai aucun regret. Je me sens vraiment mal pour lui. Je t'assure. Non, je me sens mal pour lui. Bien. Je n'en sais rien. Je prie juste que ce soit des mensonges. Je garderai mon silence. Il était une si bonne personne. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pourrai jamais cesser de l'aimer. Dans ce cas, ne baisse pas encore les bras. Bats-toi. Aide-le. Avec ou sans son autorisation, même contre sa volonté. Souviens-toi de ce proverbe. L'amour finit par triompher. Et ma puce, je sais que tu surmonteras ceci. Je sais que tu peux le faire, d'accord? Je le peux. Bien. Grand Olazé. Grand Olazé. Grand Olazé, je suis venu à toi une fois de plus. Grand Olazé, je suis venu à toi une fois de plus, comme je l'ai toujours fait. Yowati. Grand Olazé, Yowati. Yowati. Tout-Puissant, tu m'as toujours protégé. Tu t'es toujours occupé de moi. Tu as toujours été là pour moi. Et tu as toujours fait en sorte que toutes mes affaires prospèrent. Comme tu l'as fait pour mon père, mon grand-père et mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Hein? Ikemoka Buseitie, Tout-Puissant. J'ai toujours eu foi en toi et tu ne m'as jamais déçu. Je ne suis pas un ritualiste et je ne le serai jamais, jamais. Je ne le serai jamais, je ne l'ai jamais été et je ne voudrais jamais, jamais, jamais tromper mes mains dans du sang. Si un jour je le fais, prive-moi jamais de la lumière du jour. Je ne m'impliquerai jamais dans des crimes. Je ne prendrai jamais ce qui ne m'appartient pas. Je ne maltraiterai jamais des êtres humains comme moi, car je sais que le jour où je le ferai, je ne verrai plus jamais la lumière du jour. J'ai toujours eu foi en toi. Ma prière a toujours été
Obeli Boum Ongwea. Aisez-moi, hein, Yagodomo. Les méchantes personnes qui me détestent, qui sont jaloux de mes progrès, ils me combattent. Ils font de leur mieux pour me faire tomber, ils m'insultent. Ils m'humilient devant la terre entière. Grand Ola Zinga Noziomen, Grand Olasi. Tout ce que je demande, s'il te plaît, rends-leur la monnaie de leur pièce. Hmm? Tout ce mal qu'ils m'ont causé, retourne-le contre eux. Hmm? C'est tout ce que je te demande. Cette pièce qu'ils ont utilisée contre moi, rembourse-leur la monnaie. Oh, moine, s'il te plaît, venge-moi. Que le monde sache que je suis innocent. Mais que le monde sache. Que le monde sache qu'ils sont. Qu'ils sachent qu'ils sont mauvais. Que ce sont des criminels. Expose-les. Et innocente-moi. C'est tout ce que je te demande, Tout-Puissant. Et je sais que tu le feras pour moi. Grand Olasi. Hein? Gemoja Posite. C'est Asen. Bébé. Oui, mon amour. Tout le monde t'a vu habillé ainsi pendant que tu venais. Pourquoi est-ce que tu demandes ça? Voyons, nous sommes dans les temps modernes, ok? Ce n'est plus... Ha! Comme tu avant, as raison. Où on se couvrait toute la tête, je suis bien. Tu as raison, tu es l'œuvre de Dieu. Tu es l'œuvre de Dieu, il n'y a pas ton pareil. Mais mon amour, tu sais pourquoi je suis là? J'ai... besoin d'un peu d'argent, mon amour. Tu sais que je n'aurai qu'à puiser dans les caisses de l'entreprise. Mon amour, j'ai besoin de cet argent. Je te le donnerai. Et même plus que tu n'auras demandé. C'est pour ça que je t'aime. Jésus-Christ, je te demande de sortir. Sors maintenant. Oui. Va-t'en de là, esprit méchant. Oui, amen. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. C'est pour elle est partie. Tu crois qu'elle nous a vus? Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Elle nous a vus. Pourquoi t'as pas fermé la porte? Oh, la porte était... Oh. Tout se déroule selon le plan. Je profite pleinement de ce moment. Oui, c'est moi qui mène le jeu. J'ai pu pousser Chioma à faire ce que je voulais. Mon marabout a fait du bon travail. Oui, j'utilise ces cauchemars contre eux. J'ai dit à Chioma d'oublier le divorce. Hakuna, je ferai en sorte que Chioma tue Hakuna. Qu'est-ce que je t'avais dit? Il n'y a rien que je ne puisse faire. J'ai tué Nonzo et Dani. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Quand Chioma aura tué Hakuna, automatiquement, tous ses biens deviendront à Chioma, qui est sa femme. Et je ferai en sorte que Chioma me lègue tous ses biens en tant que son cousin. Et je la tuerai. Oh, Sonia. Je tuerai Sonia. Mais je devrais d'abord tuer son père. Et sa mère. Sa mère doit rejoindre son père. Cet homme a déjà peu vécu sur cette terre. Il doit mourir. Et vu qu'il n'a pas de fils... Automatiquement, Sonia héritera de tous ses biens. Ensuite, elle va tout me transférer. Et après ça, je tuerai Sonia. Et je penserai à ma prochaine étape. J'irai sûrement vivre aux Bahamas avec mes milliards. Oui, j'irai vivre aux Bahamas avec mes milliards en tant que milliardaire. Oh, Zita. Qui est là? Qui est là?
Chioma, comment es-tu entré ici? Rosita. Chioma, donc tu étais en train d'écouter ma conversation. Rosita, qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc c'était toi depuis tout ce temps. C'est toi qui étais derrière tous ces meurtres. Tu nous as tous manipulés. Oh mon Dieu, Fakuna avait raison. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tu sais quoi? Je ferai en sorte que tu pourrisses en prison. Et qui t'a dit que tu allais sortir vivante? Rosita, Rosita, s'il te plaît. De toutes les façons, je devrais te tuer. Mais Rosita, tu as juste pris quelque chose. Je vais le faire maintenant. Arrêtez. Plus un geste. Je vous exploserai la tête si vous faites un geste. Inspecteur, arrêtez-le. Plus un geste. Vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Maintenant, avancez. Espèce de meurtrier. Avancez. Avance. Avance. Allez, avance. Avancez. Tu vas bien? Oui, je vais bien. T'es sûr? Comment tu sais? Comment? J'avais tout compris. Oui, j'avais tout entendu. Je suspectais ses faits et gestes. Alors, j'ai dû cloner son téléphone sans qu'il ne le sache. Tu l'as vraiment fait? Oui. Et j'avais aussi caché une caméra dans cette maison. Oh! Tu sais, je voulais qu'il se dénonce lui-même. Ok. Mais quand je t'ai vu, j'ai su qu'il ne te laissera jamais partir. J'ai dû alerter la police. Merci. De rien. Merci. Ça veut dire que mon mari est innocent. Hakuna est innocent. C'était lui depuis tout ce temps. Il nous a tous utilisés. Oh mon Dieu! Je suis heureuse d'avoir vite agi, mais je le ferai payer. Il va moisir en prison. Merci, merci, merci. Oh mon Dieu. Je n'arrive pas à croire que j'ai épousé un meurtrier. Ça, c'est incroyable. Vous voulez dire que Chief et Minike a avoué tout ceci? Et encore plus, Majesté. Lui et son défunt ami, Obiozo, étaient responsable pour toutes les atrocités dans ce village. Commençons par les viols, l'arnaque et les kidnappings. Il l'a avoué. Ce sont eux qui ont tué Onoche parce que ils avaient peur qu'il attire toute l'attention. Quoi? Oui, même Shinozo. Ils l'ont aussi tué pour ternir l'image de M. Hakuna, aux yeux de son peuple. Ils voulaient être les seuls à régner et devenir les seules personnes dont les gens devaient parler et respecter dans cette communauté. Voilà là ce qu'ils ont juré dans leur secte. Personne ne doit être au-dessus d'eux. Majesté, Hakuna a été innocenté de toute accusation. Et Minike nous a demandez de vous dire que vous deviez accorder à Hakuna le pardon. Il ne voulait que du bien pour son peuple. Je l'avais dit. Ah, mon grand frère, un ritualiste, Dieu m'en préserve. Je l'avais dit. Qu'est-ce que tu avais dit? Je l'avais dit. Dieu merci. Mon fils. Igwe. Je sais que je t'ai offensé. Et le pardon est divin. L'habilité de réaliser qu'on a commis des erreurs. Et essayer de se racheter. Fais de nous des hommes meilleurs. Je sais que le village et moi t'avions offensé et ta femme aussi. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour nous pardonner. Et je prie pour que cela n'arrive plus. Encore une chose. S'il te plaît, je veux que tu regardes au-delà de ces erreurs. Et que tu continues à aider le village. S'il te plaît, je t'en supplie.
Oh. Mon roi. Hakuna. Comme on le dit souvent, l'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Je vous ai pardonné. J'ai également pardonné aux villageois. Chai. Mon peuple sera toujours mon peuple. Je vous assure que toutes les bonnes choses que j'avais faites à mon peuple, je les réaliserai toutes. Hey. Quelle chance. Ce n'est plus normal. Hakuna, mon fils, en tant que roi de ce village, je te redonne ton titre. Hakuna, de Molo Molo, un, de Mwaba. Salut-moi. Oya, Balé. Merci pour le bon travail. Tu as un bon cœur. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées,
ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.